Bene, arrivati. Credo che possiamo cominciare il nostro incontro di oggi. Come sapete, con questo incontro si iniziano le iniziative che a Pisa sono state dedicate alla giornata della memoria. E forse qualcuno di voi avrà visto, si inizia così un programma che avrà uno sviluppo lungo, arriverà fino alla fine di gennaio e anche oltre all'inizio di febbraio. Questo primo incontro è tenuto dal professor Georges Bensoussan e si inserisce nel quadro delle cerimonie che la scuola normale da diversi anni ormai mette in opera per ricordare la giornata della memoria. Le iniziative sono state varie, diverse, ma hanno avuto tutte come segno distintivo quello di collegare la giornata della memoria con le caratteristiche proprie e specifiche della scuola normale, cioè di un istituto che intende sviluppare e promuovere la ricerca. Anche questa iniziativa si inserisce all'interno di questo quadro, di questa linea. Il professor Bensoussan è noto, è particolarmente noto per i suoi studi che sono stati tradotti in Italia. I suoi libri sono stati pubblicati da Einaudi, in particolare Einaudi nel 2002 ha tradotto in italiano un libro uscito nel 1998, L'eredità di Auschwitz, come ricordare, che ha avuto una notevole risonanza nel nostro paese, anche perché poneva un problema che indubbiamente ci riguarda tutti e continua ad interrogarci, vale a dire il problema appunto di come ricordare la capacità della giornata della memoria di uscire dalla mera ritualità per diventare invece un momento, come dovrebbe essere, di riappropriazione delle pratiche corrette di elaborazione del passato e quindi di influire sul presente, nel senso di uno sviluppo della prassi democratica della nostra vita collettiva. Oltre a questo libro sono stati tradotti in italiano diversi altri suoi libri dedicati ad Israele, dedicati al sionismo, dedicati alla Shoah ed in particolare stasera il professor Bensoussan, che come sapete è il direttore editoriale del Memoriale della Shoah di Parigi e dirige la Revue d'Histoire della Shoah, il professor Bensoussan ci parlerà della sua ultima ricerca, del suo ultimo libro, un grosso tomo di 800 pagine che è stato pubblicato l'anno scorso a Parigi col titolo L'Histoire des communautés juives d'Afrique du Nord et du Proche et Moyen-Orient. Prima di dargli la parola, appunto per illustrargli, perché ci possa illustrare i contenuti di questo libro, vorrei ricordare che una delle preoccupazioni costanti di tutto il lavoro scientifico del professor Bensoussan è stato quello di rapportare il lavoro storico di corretta ricostruzione del passato con una domanda relativa al presente, e cioè relativa alla risorgenza del razzismo e dell'antisemitismo. Ed anche questo libro si inserisce in questo quadro. Al fondo di questo libro, che pure affronta un periodo vasto, un periodo che comincia alla metà dell'Ottocento per arrivare fino ad alcuni decenni fa, al fondo di questo libro c'è ancora questa domanda, e cioè le ragioni della rinascita nelle attuali società europee del razzismo e dell'antisemitismo.
Prima di dargli la parola vorrei dire che l'ho introdotto e l'ho presentato in sostituzione del direttore della scuola, che non può essere presente perché è fuori Pisa, che mi ha pregato di portarvi i suoi saluti e i ringraziamenti al professor Bensoussan e a voi per questo intervento. Detto questo, gli do molto volentieri la parola, ringraziandolo di aver accettato di essere con noi per questo inizio della giornata della memoria, delle celebrazioni della giornata della memoria a Pisa. Merci, merci beaucoup, grazie mille a tutti e merci alla Scuola Normale Superiore di Pisa di questa invitazione e merci d'être venu aussi pour écouter un exposé en français qui n'est pas votre langue maternelle. Comme l'a dit monsieur le professeur à l'instant, ce travail qui vient de sortir en France, qui est très récent, qui a quelques mois, qui s'intitule « Juifs en pays arabe » et « Le grand déracinement 1850-1975 », j'ai voulu savoir, et je vais parler de ça essentiellement aujourd'hui, j'ai voulu savoir pourquoi en une génération, 25 ans à peu près, 1 million de juifs des pays arabes, depuis le Maroc jusqu'à l'Irak, avaient disparu. Ils sont partis, il n'y a pas eu de massacre, il n'y a pas eu de génocide. C'est une civilisation très ancienne qui a disparu. Quand je dis très ancienne, je veux dire que c'est une civilisation bimillénaire. Imaginez qu'il y avait des communautés juives au Maroc ou en Irak, bien avant la naissance du Christ. Or, ces communautés qui ont 2000 ans, parfois même plus, ont disparu en 20 ans, et ça n'a laissé aucune trace dans l'histoire. Je veux dire, personne ne connaît véritablement ce qui s'est passé, à part quelques spécialistes ici ou là, aux États-Unis, en Israël, très peu en France, chez vous en Italie, il y a un très grand historien qui a travaillé là-dessus, c'est Renzo De Felice, sur les Juifs de Libye. C'est un excellent livre. Mais enfin, c'est un sujet qui est peu connu sur le fond. Bon. Donc ça, c'est la première question. Et cette question, elle a été redoublée il y a 10 ans. Il y a 10 ans en France, nous étions dans une période où l'antisémitisme était violent, et quand je dis violent, il se traduisait par des agressions physiques contre des personnes, contre des synagogues, contre des écoles juives. On était à l'époque de l'intifada palestinienne, et les médias français, la télévision en particulier, expliquaient cette violence d'origine maghrébine essentiellement, exclusivement même, pas essentiellement, exclusivement, par le conflit israélo-arabe. Or, il se trouve que si on s'intéresse un peu à la culture du Proche-Orient et du monde arabe en général, et de la Méditerranée, quoi, la rive sud de la Méditerranée jusqu'à l'Irak, et même au-delà, je pense au Yémen, eh bien, on ne peut pas se satisfaire de cette explication qui est simpliste. Que le conflit israélo-arabe ait aggravé la situation entre les communautés, c'est vrai. Que ce soit la seule origine de la violence, ça n'est pas si simple. Parce qu'il y a des éléments dans la culture traditionnelle qui montrent que la place du juif est une place inférieure. Qui, pour autant d'ailleurs, n'est pas du tout la même que celle que le juif a tenue dans le monde occidental chrétien. Ça, c'est donc le deuxième point qui m'a interrogé, c'est qu'il y a 10 ans, alors que je ne travaille pas là-dessus, il y a 10 ans, je venais de sortir mon histoire du sionisme, donc j'étais très loin de ce sujet-là, mais il se trouve qu'une revue française d'histoire m'avait demandé un article sur l'antisémitisme après la Seconde Guerre mondiale. Et le hasard des lectures, des recherches, fait que je suis tombé sur l'histoire des Juifs d'Égypte après la guerre des Six Jours, en 1967. J'ai découvert là quelque chose que moi j'ignorais complètement, et donc je me suis dit qu'il y avait une explication trop simple des médias qu'il fallait aller chercher ailleurs. Ça, c'est le deuxième point.
Le troisième point, c'est que quand j'ai commencé à interroger, sans penser encore à écrire là-dessus, hein, je ne travaillais pas là-dessus du tout, mais j'interrogeais autour de moi, vous savez qu'en France, il y a une très forte communauté juive d'origine d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie. Et surtout en Tunisie, parce que les Juifs du Maroc sont plutôt partis en masse en Israël. Bien, quand j'interrogeais autour de moi des Juifs d'Algérie ou de Tunisie, des Juifs du Maroc aussi, quand j'interrogeais des Juifs d'Égypte, il y a des Juifs d'Égypte en France, beaucoup. Quand en Israël, en travaillant sur un autre sujet, j'interrogeais des Juifs d'Égypte ou d'Irak, j'avais des récits contradictoires. Ce qui était très étonnant, c'est que les gens ne me racontaient pas du tout les mêmes choses. Et ce qui était encore plus étonnant et plus intéressant sur le plan historien, c'est que la même personne, le dimanche, pouvait vous raconter que la coexistence entre juifs et arabes était excellente au Maroc, et 3 jours plus tard, le mercredi, vous dire que c'était l'enfer. Vous dire que entre juifs et arabes, c'était la haine, et que les juifs avaient constamment, en permanence, peur. D'où le départ. Alors, je me suis dit, est-ce que ce sont des récits contradictoires? Et puis, au fur et à mesure que j'ai commencé et que j'ai décidé d'abord de travailler là-dessus, c'est-à-dire il y a 7 ans à peu près, je me suis aperçu au fur et à mesure des recherches dans les archives en France. Il y a énormément d'archives en France, en Israël également, aux archives sionistes. Et je me suis aperçu que ce n'était pas du tout des récits contradictoires, c'était des récits complémentaires. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la même personne disait une chose le dimanche, une autre chose le mercredi, et les deux récits ne s'opposaient pas. Et ça a été d'ailleurs l'une des conclusions de mon travail. La situation des Juifs dans le monde arabe était une situation faite de convivialité et de mépris. J'espère que c'est clair pour tout le monde ce que je dis. Et quand je l'explique aujourd'hui, que je présente le livre en France, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on puisse avoir en même temps la convivialité et le mépris. Pas ou le mépris, mais et le mépris. Les deux en même temps. Et donc ça renvoie forcément à une économie mentale, une économie psychique du monde arabe et du monde arabo-musulman, qui est très particulière évidemment, et qui fait aux Juifs une place particulière. Ce qui fait que, j'anticipe un peu, je dirais qu'on ne peut pas faire d'histoire sans anthropologie. Je pense qu'on est d'accord ici pour dire qu'il n'y a pas, que l'histoire, ce n'est pas un récit linéaire, bien évidemment non, que toute histoire doit prendre une dimension anthropologique, et une dimension anthropologique très forte, très importante. Et là, c'était très important. Et puis, dernier point d'introduction, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, bon, la bibliographie est très importante, mais en français, elle est rare. Elle est très importante, surtout en hébreu et en anglais. Les archives sont très importantes, je l'ai dit, et je me suis posé la question, par exemple, en France, de savoir si dans les musées du judaïsme, il y a des musées du judaïsme en France, il y a un grand musée à Paris, tout près du centre de Paris. Quelle est la place des Juifs d'Orient? Et encore une fois, les Juifs d'Orient, ce n'est pas les Juifs d'Afrique du Nord, hein, c'est les Juifs depuis le Maghreb jusqu'à l'Irak et jusqu'au Yémen, c'est-à-dire les Juifs de tout le monde arabe. Et je ne dis pas le monde arabo-musulman parce que j'exclus les Juifs de l'Iran, de la Perse, qui ne sont pas arabes, et j'exclus les Juifs de Turquie qui ne sont pas arabes. Musulmans, oui, mais pas arabes. Et c'est très différent, sur le fond. Donc moi, je n'ai travaillé que sur les Juifs arabes. Eh bien, quand je me suis posé la question « qu'est-ce qu'il y avait dans les musées ?», je suis allé voir, évidemment. Et je me suis aperçu qu'on avait beaucoup d'ethnologie, beaucoup de folklore. On avait des robes de mariée, par exemple, robes de mariée du Maroc. Des choses comme ça, beaucoup d'objets liturgiques, la Torah, par exemple, ou autre chose. Mais qu'on n'avait pas de réel récit historique, il n'y avait pas d'histoire. On dirait que ces Juifs-là n'avaient pas d'histoire. Que seul avait une histoire, et donc aussi une culture et une civilisation, le judaïsme ashkénaze, le judaïsme séfarade, et le judaïsme oriental, qui n'est pas séfarade. Ce judaïsme-là, c'était un judaïsme folklorique,
mais pas un judaïsme historicisé. Bon. Voilà les premiers points auxquels je me suis heurté tout de suite. Deuxième point, les obstacles à la connaissance auxquels je me suis heurté, c'est d'abord l'anachronisme. Très vite, l'anachronisme fait que on est toujours tenté de juger d'après nos valeurs, et évidemment c'est le péché numéro un de l'historien. L'historien doit non seulement oublier complètement le présent, mais oublier aussi la fin de l'histoire. C'est un historien français du XIXe siècle qui disait que l'historien devait toujours ignorer la fin. Et c'est vrai de toute période historique. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un grand nombre d'études historiques sont de mauvaise qualité, par exemple sur la Shoah. Quand un historien écrit sur la Shoah sur l'année 1942, l'année de Treblinka, l'année du ghetto de Varsovie, lui, il sait comment ça se termine. Mais les contemporains qui vivent la tragédie ne savent pas comment ça se termine. Donc la règle de base de l'historien, c'est d'ignorer la suite. Bon. Eh bien, la règle de base ici, l'obstacle à la connaissance ici, ça a été, c'est banal à dire en histoire, mais il faut le redire, c'est l'anachronisme, c'est de juger d'après nos valeurs, et par exemple de juger d'après la valeur de la tolérance. Et de dire ces sociétés étaient intolérantes. Oui, mais c'est banal de dire ça. La tolérance est une valeur occidentale très récente, très moderne. C'est une valeur qui n'existait pas à l'époque. Donc on n'a pas apporté des jugements de valeur. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dès qu'on travaille sur le sujet des Juifs en pays arabes, immédiatement on va vous parler du conflit israélo-arabe. Et cette histoire est recouverte par le conflit israélo-arabe. C'est une histoire tellement tragique qu'on a l'impression que toute l'histoire des Juifs arabes est une tragédie. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire des relations juives arabes est tragique, c'est vrai, mais elle n'a pas toujours été tragique. Donc là aussi, on oublie le conflit. Ça ne veut pas dire qu'on est condamné à oublier définitivement le conflit, non. Mais en tous les cas, quand on travaille sur les racines du problème, il faut l'oublier. Troisième obstacle, la Shoah. Quand on parle judaïsme aujourd'hui, les gens vous répondent immédiatement la Shoah, Auschwitz, etc. Et donc l'histoire d'Auschwitz est une histoire, je dirais, envahissante, obsessionnelle, impérialiste. C'est une histoire qui a recouvert toute l'histoire juive. D'ailleurs aujourd'hui, quand vous avez des professeurs d'histoire, par exemple en France, on fait beaucoup de formations de professeurs d'histoire de lycée. Quelles sont leurs connaissances sur le judaïsme ? Ben, ils ont essentiellement deux connaissances. Le monothéisme, Auschwitz, c'est tout. Voilà, leur connaissance du judaïsme s'arrête là. Alors, si je leur dis l'expulsion d'Espagne, 1492, oui, ça dit quelque chose. L'épisode de Shabbatai Tzvi, 17e siècle, le faux messie, Shabbatai Tzvi, c'est un épisode extraordinairement important dans l'histoire juive, parce que sans cela, on ne comprend pas la naissance du sionisme. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler. Les origines politiques du sionisme, parce que la plupart des gens pensent que le sionisme est né de l'antisémitisme. C'est une énorme erreur historique. Le sionisme n'est pas né de l'antisémitisme. L'antisémitisme lui a donné un coup d'accélérateur. Oui, donc si je leur parle par exemple de la renaissance de l'hébreu devenu une langue parlée, pas une langue morte qui est devenue une langue vivante, hein, c'est pas ça du tout. L'hébreu, ça n'a jamais été le latin. L'hébreu a toujours été une langue parlée, mais ce n'était pas une langue maternelle. Donc comment l'hébreu est redevenu une langue maternelle ? Comment l'hébreu est devenu une langue littéraire au XIXe siècle ? Une langue de journaliste ? Que les racines du sionisme sont d'abord des racines culturelles, puis politiques, et que l'antisémitisme vient par-dessus ? Eh bien, la plupart des professeurs d'histoire, encore une fois, sont des gens qui spécialistes, hein. Je ne parle pas du grand public, ne connaissent pas. Donc on a une histoire recouverte par la Shoah. Et donc face à l'histoire des Juifs du monde arabe, c'est la même chose. Les gens ne connaissent pas parce qu'ils n'ont en tête que le monde, que la Shoah. Et du coup, ils projettent, ils plaquent, si vous préférez, l'histoire de la Shoah sur l'histoire des Juifs du monde arabe. Je prends un exemple. À la première présentation du livre au mois de mai à Paris, il y avait une philosophe française, une femme très brillante, qui présentait le livre, qui avait lu le livre, qui présentait le livre, et en public devant l'Assemblée, elle m'a posé une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, une question qui m'a surpris. Elle m'a dit, est-ce que vous pourriez comparer le quartier juif du Maroc, le Mella, vous savez, là où les juifs vivaient, et le ghetto des nazis ? Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. C'est une comparaison... dénué de tout fondement. Vous voyez combien
cette obsession de la Shoah finit par recouvrir toute l'histoire. Et puis, le quatrième point aussi qui explique cette ignorance, c'est le fait que ce judaïsme d'Orient, c'est un judaïsme qui est marginal sur le fond, qui est numériquement marginal. Ils sont peu nombreux, les juifs d'Orient. Il y a un historien français qui est, je ne sais pas s'il est connu en Italie, qui s'appelle Antoine Pro, qui est un grand historien français sur la Première Guerre mondiale, sur les anciens combattants, etc., sur le syndicalisme français aussi. Je ne sais pas s'il est traduit en italien, Antoine Pro. Antoine Pro avait, maintenant il est à la retraite, c'est un professeur émérite, hein, comme on dit, et Antoine Pro a l'habitude de dire, face à un problème d'histoire, quantifier. D'abord, quantifier. Combien ? Ça, c'est important, je crois. 1939, combien de juifs dans le monde ? Environ 15 millions. 15. Combien de juifs dans le monde arabo-musulman ? En incluant la Perse et la Turquie. Un peu plus d'un million. C'est très peu. C'est-à-dire qu'en Pologne, rien qu'en Pologne avant la Shoah, vous avez trois fois plus de juifs que dans tout le monde arabo-musulman. Donc, si cette histoire est marginale, c'est aussi parce que numériquement, ces juifs-là sont très peu nombreux. Ça a aussi joué. Bien sûr, il y a d'autres explications. Mais enfin, cette explication-là, on ne peut pas non plus la mettre de côté. Et enfin, dernier point de méthodologie, puis après j'entrerai plus dans le vif du sujet, c'est le fait que je me suis tout de suite posé la question de savoir est-ce que je devais interroger les témoins ? Parce que des témoins, il y en a des milliers, qui ont aujourd'hui 70 ans, 60, 70, 80, 85 ans, juifs du Maroc, du Maghreb, de Tunisie, du Yémen en Israël, ou d'Irak en Israël ou en Angleterre, ou du Maroc au Canada, par exemple. Enfin, il y a une diaspora, et bon, essentiellement, ils vivent en Israël, mais il y a quand même une diaspora en dehors d'Israël. Et il y a beaucoup de témoins qui sont prêts à parler et qui ont beaucoup de choses à raconter. Et souvent passionnantes sur l'histoire du XXe siècle. Par exemple, les Juifs d'Égypte, qui sont en France, ont souvent été les fondateurs du Parti communiste égyptien. Donc, quand on veut connaître les origines du communisme égyptien et l'évolution du nationalisme arabe avant Nasser, et avec Nasser, dans les années 1950, c'est passionnant de les écouter. Mais j'ai pris la décision, finalement, de ne pas interroger les témoins. Parce que tous les récits, tous les témoignages, par définition, sont postérieurs. Ils viennent 20 ans, 30 ans, dans mon cas, moi, c'est-à-dire il y a 5 ans de cela. Ce sont des témoignages qui viennent 40 ans après les événements. Donc, par définition, ce sont des textes, ce sont des récits reconstruits. Et je dirais que le témoignage en soi, il est intéressant parce que c'est une production culturelle, bien sûr. Mais comme source d'histoire, je suis très méfiant vis-à-vis du témoignage, de tout témoignage. Par exemple, un récit d'un rescapé de la Shoah qui est écrit 40 ans après, en général, nous, à Paris, dans ce que nous faisons au mémorial de la Shoah, nous ne publions pas. Nous ne publions pas les témoignages 40 ans après. Nous publions les chroniques, les journaux, les correspondances. Évidemment, les travaux d'historiens. Mais les témoignages postérieurs, longtemps après l'événement, ça a peu d'intérêt sur le fond. C'est un intérêt culturel, c'est-à-dire comment on écrit l'histoire et comment la mémoire sélectionne, et comment la mémoire est une machine à oublier. Ça, c'est vrai, c'est très important là-dessus. Mais comme document d'histoire, c'est peu fiable. Donc j'ai laissé les témoignages, premier point. Deuxième point, j'étais confronté à la pluralité des mémoires. J'avais en face de moi, par exemple, je vous l'ai dit, des Marocains qui, les grandes familles marocaines, par exemple, avec des mariages, qui, à la question de savoir pourquoi ils avaient quitté le Maroc, vous donnaient des réponses différentes. Et donc, je me suis posé la question, face aux Juifs marocains qui sont très nombreux en Israël et nombreux et moins nombreux en France, mais tout de même, ils sont là, je me suis posé la question, et pourquoi je parle du Maroc d'ailleurs, parce que c'est la plus grande communauté juive du monde arabe, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'avais des interprétations si différentes du passé. Et il a fallu un certain temps pour comprendre que ce qui était vrai du Maroc était vrai de la Tunisie, de l'Irak et des autres, c'était que c'était une mémoire socialement stratifiée, et que plus on montait dans l'échelle sociale, plus on avait affaire à la bourgeoisie juive, et plus on avait affaire à une histoire heureuse,
je dirais presque enchantés. En revanche, plus on descendait dans l'échelle sociale, plus on allait vers les classes populaires, et plus on avait affaire à une histoire malheureuse, une histoire sombre, triste, dure, violente, et une histoire marquée par la peur. Et le drame, c'est banal ce que je dis là, que l'histoire, la mémoire est socialement stratifiée, le drame c'est que beaucoup de témoins de cette époque ne le reconnaissent pas. Ils prennent tout banalement leur monde pour le monde. C'est banal, mais ça mérite d'être dit et d'être redit. Et c'est hélas le réflexe de beaucoup. Donc du coup, je me suis trouvé confronté essentiellement à deux légendes. La légende dorée, c'est l'entente judéo-arabe parfaite, nous vivions heureux, nous vivions bien, et alors du coup vous posiez la question, mais pourquoi êtes-vous parti? Les gens ne savaient pas vous répondre. On était très heureux, on vivait très bien, on s'entendait très bien avec les Arabes. Et pourquoi êtes-vous parti? Silence. Ou bien vous avez la légende noire, c'était l'enfer tous les jours. Il est évident que ce n'est ni l'un ni l'autre, ça c'est banal à dire. Ça c'est un premier mythe. Histoire dorée d'un côté, histoire rose, si vous voulez, et histoire noire. Deuxième mythe, le sionisme. Quand aujourd'hui on interroge un certain nombre de gens sur le départ des Juifs des pays arabes, ils vous répondent « Ah oui, on connaît la raison. C'est le conflit israélo-arabe, ce sont les agents sionistes d'Israël qui sont venus, qui ont fait de la propagande auprès des communautés et qui les ont incités à partir. » C'est simpliste. Est-ce que vous imaginez, par exemple, dans le cas du Maroc, encore une fois, la plus grande communauté, l'État d'Israël a envoyé effectivement au Maroc 400 personnes, 400 agents, 400 émissaires, si vous voulez, pour encadrer les migrations. Est-ce que vous imaginez que 400 personnes peuvent aller de village en village, de montagne en montagne, de ville en ville, dire à une population qui est enracinée au Maroc depuis 2000 ans, vous devez partir immédiatement et arriver à les convaincre sans que ces populations soient elles-mêmes convaincues qu'il fallait partir. Non. Soit on a affaire à un peuple d'abrutis, un peuple de débiles, un peuple d'idiots, et ce n'est pas le cas. Soit on a affaire à des gens qui voulaient partir. Et pourquoi? Pas forcément parce qu'ils avaient peur, non, c'est plus compliqué que ça. Et bien ça aussi on l'a oublié. C'est parce qu'on a affaire à des populations profondément religieuses, croyantes, imprégnées par l'idéal messianique. Et quand les agents d'Israël leur disent « l'État d'Israël est né », pour eux, c'est le Messie qui était arrivé. Et ils l'ont dit d'ailleurs clairement, « le Messie est arrivé, nous devons partir ». C'est pour ça qu'ils se lèvent en masse et qu'ils partent. Pourquoi je dis « nous l'avons oublié » Parce que nous vivons dans des époques sécularisées. Les synagogues sont vides. En France, les églises, je parle toujours de la France, hein, sont vides. Nous vivons des temps laïques sécularisés, totalement désenchantés. Nous avons du mal à comprendre des mondes qui fonctionnent sur un mode totalement religieux. Le monde juif traditionnel du Yémen, du Maroc, de Libye, je prends ces trois exemples-là, exprès, ce sont des mondes qui vivent dans la Torah, tous les jours, du matin au soir, d'un bout à l'autre de l'année. Si on oublie ce cadre mental, on ne comprend pas pourquoi ils partent aussi. Et puis, autre mythe aussi auquel je me suis heurté, moi, pendant longtemps, comme tout le monde, j'ai dit, on a affaire à des juifs arabes. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était faux. On n'a pas de juifs arabes, ça n'existe pas. On a des juifs de culture arabe. On a des juifs en pays arabe. D'ailleurs, c'est le titre du livre. Le titre du livre n'est pas « juifs arabes », c'est « juifs en pays arabe ». Et pourquoi pas « juifs arabes » ? Tout simplement parce que l'évolution du nationalisme arabe à partir des années 1930 au XXe siècle, l'évolution du nationalisme arabe a empêché les Juifs de faire partie de la nation arabe, du nationalisme arabe, pour des raisons très complexes, je ne peux pas entrer dans les détails. Ce qui fait que ces Juifs, dont beaucoup d'entre eux se sont crus arabes, parce que c'est leur langue maternelle, parce qu'ils parlent l'arabe tous les jours à la maison, parce qu'ils apprennent la Torah en arabe, et parce qu'il y a une proximité culturelle extraordinaire entre le monde arabe et le monde juif, ils partagent la même langue. Et même sur le plan religieux, non seulement il n'y a pas d'antagonisme comme dans le monde chrétien, il n'y a pas de guerre si vous voulez,
Mais il y a même une proximité. Par exemple, au Maroc, il y a plus de 140 tombeaux de saints qui sont vénérés par juifs, pardon, qui sont vénérés par les musulmans. L'inverse est vrai aussi, mais dans une moindre proportion. Bref, on a affaire à une proximité dans tous les domaines de la vie, la cuisine, la musique, la langue, la littérature. Par exemple, qui sait qu'en Irak, dans les années 1930, un tiers des écrivains irakiens modernes, donc arabophones, étaient juifs, qu'une bonne partie de la renaissance littéraire arabe, irakienne, était d'origine juive. Ces gens-là sont imprégnés par la langue arabe. Ils se sont crus des juifs arabes. Un jour, pour X raisons, peut-être qu'on aura le temps tout à l'heure de dire, on leur a fait comprendre qu'ils ne seraient jamais arabes. Ce qui m'a fait penser, au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, à la tragédie des juifs allemands. La symbiose judéo-allemande, vous connaissez l'expression « la symbiose judéo-allemande », c'est un mythe, c'est une illusion. Les juifs allemands se sont crus allemands jusqu'au jour où on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas allemands, qu'ils ne seraient jamais allemands, qu'ils pouvaient parler aussi bien que Goethe, et écrire mieux que Goethe, et penser mieux philosophiquement que Kant, ils ne seraient jamais réellement des Allemands. C'est donc un faux mariage, une fausse symbiose, parce que pour qu'il y ait symbiose, il faut être deux, là, ils étaient seuls. Dans le cas des juifs arabes, la tragédie mise à part, il n'y a pas eu de symbiose judéo-arabe. C'est pourquoi l'expression « juifs arabes », c'est une expression qui est fausse sur le fond. Quels sont les... Je laisse de côté la question des sources, peut-être qu'au moment du débat tout à l'heure, vous me poserez la question, quelles sont les archives et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces archives, sur les juifs en pays arabes ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire aujourd'hui. Quels sont les points qui m'ont le plus frappé quand j'ai avancé dans ce travail qui a duré 6 ans ? J'ai d'abord commencé par travailler sur les archives et ensuite sur la bibliographie. Et ce qui m'a frappé dans les archives à Paris, les archives de l'Alliance israélite universelle, qui est une grande institution née au XIXe siècle et qui a contribué à scolariser une bonne partie de la jeunesse juive de tout le bassin méditerranéen, et même de la Grèce, de la Bulgarie, et même au-delà du bassin méditerranéen, puisqu'ils ont ouvert des écoles en Iran et en Irak, donc loin de la Méditerranée. Eh bien, les archives de l'Alliance à Paris, c'est un trésor, c'est gigantesque. Elles sont connues, enfin, les historiens connaissent ces archives, elles ne sont pas beaucoup utilisées pour l'instant, mais tous ceux qui ont travaillé sur le sujet les connaissent bien, Bernard Lewis, Norman Stillman, les Américains qui ont travaillé sur le sujet, Michael Laskir, les Israéliens qui ont travaillé sur le sujet, connaissent les archives de l'Alliance qui sont pratiquement toutes en français, puisque l'Alliance est une institution née en France. Bon. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à travailler sur des archives au hasard, hein, j'ai commencé à apprendre des bobines de microfilms sur la Libye, l'Égypte, l'Irak, etc., ce qui m'a frappé, c'est le premier point de la recherche, c'est la dégradation de la condition juive en terre arabe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Je lisais des pages et des pages de microfilms, de rapports, écrits par des directeurs d'école, pas français, des directeurs d'école, envoyés par l'Alliance là-bas. Alors, de quelle origine étaient-ils ? Ils étaient grecs, juifs bulgares, juifs roumains, pour beaucoup d'entre eux. Au début, c'était ça. Juifs français, pour certains d'entre eux, juifs alsaciens, par exemple. Bon, c'est plus tard qu'on verra des juifs d'origine arabe. Mais au début, c'est d'abord des juifs des Balkans et des juifs de France qui arrivent. Et ils écrivent chaque mois un rapport à Paris. Et ils font un état de la situation, mais ils font un état de la situation de l'école, oui, mais pas seulement. De la population scolaire, oui, mais pas seulement. De la population juive en général, oui, mais pas seulement. Certains sont de véritables écrivains. Ce sont de simples directeurs d'école qui sont des génies de la langue française. Et ils écrivent des rapports de 20 pages. Et ils décrivent quoi ? Ils décrivent la vie. La vie à Bagdad en 1880. Un mariage musulman, un mariage juif, la vie quotidienne, le marché, la campagne, les problèmes de violence, de sécurité, de justice, de prison, de corruption, tout. Tout simplement parce que ce sont des esprits des Lumières, ce sont des esprits curieux, ce sont des gens aussi qui ont du temps pour écrire, quand ils font leur rapport, ce sont des gens aussi qui s'ennuient terriblement là où ils sont, et qui font des rapports dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre.
Et là, je dois dire qu'on a des morceaux d'ethnologie, de véritables morceaux d'ethnologie sur le monde arabe, et pas seulement sur le monde juif, sur le monde arabe en général. Bon. Bien, qu'est-ce qu'ils disent tous, sans se connaître ? Ils disent que la condition juive est effectivement un enfer dans la deuxième moitié du 19e. Pas partout, pas partout. Sauf en Égypte. Mais ceux qui sont en Irak, ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont en Libye, disent la même chose. La violence, la peur, les coups, l'humiliation, partout, en permanence. Et ce qui est frappant, c'est la dégradation dans la deuxième moitié du 19e. Et là, évidemment, ça méritait une explication. Et l'une des explications, c'est évidemment la colonisation. Plus le monde arabe est colonisé, et c'est l'époque, plus il se ferme sur lui-même, plus il se raidit, et plus il va opprimer ses minorités. Et au Maghreb, c'est essentiellement la minorité juive. Au Proche-Orient, c'est plus compliqué. Bon. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, j'avais affaire à des archives de l'Alliance, donc des archives d'une seule source. C'est très dangereux. Mais j'ai eu affaire aussi aux archives diplomatiques. Les archives diplomatiques françaises ou anglaises, en Irak et en Égypte, françaises au Maghreb. Et ensuite, comme la France a eu un mandat sur la Syrie et le Liban, il y a des archives françaises aussi sur ces pays. Eh bien, ce qui est frappant, c'est que les archives françaises ou anglaises, non juives, mais aussi les récits des voyageurs, les récits des médecins, qui sont parfois envoyés en mission là-bas, les récits des négociants, des commerçants, des banquiers, les récits aussi des simples touristes, ils ne sont pas nombreux, hein, les touristes, hein, très riches en général, la grande, très grande bourgeoisie ou l'aristocratie, par exemple l'aristocratie anglaise en Égypte, qui va visiter les pyramides. Bon. Ils écrivent, ces gens-là écrivent, ils appartiennent aux classes supérieures. Eh bien, quand on confronte, quand on compare, quand on met bout à bout les archives d'un côté de l'Alliance, les archives diplomatiques de l'autre, les récits des voyageurs, des géographes, des militaires, des médecins, des touristes. Ce qui est frappant, c'est qu'ils disent la même chose. Absolument la même chose. Et alors, ce qui est encore plus frappant, c'est que certains de ces témoins sont des antisémites. En France, il y a un exemple extraordinaire que vous connaissez en Italie. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit le personnage est très connu en Italie. C'est Charles de Foucault. Charles de Foucault, tout le monde le connaît comme l'ecclésiastique, le père de Foucault. Qui a été assassiné au Sahara en 1916. Mais en fait, c'est pas ce Charles de Foucault-là que je pense. Je pense que c'est Charles de Foucault qui, avant d'entrer dans l'Église, dans les ordres, a été un officier français. À l'âge de 25 ans, Charles de Foucault, en 1883, est envoyé par l'armée française secrètement en mission au Maroc. Pourquoi au Maroc ? Parce que la France, qui a déjà un empire en Algérie et en Tunisie, la France veut s'emparer du Maroc. Seulement, Foucault est chrétien, en tant que chrétien et en plus militaire. Il ne peut pas entrer au Maroc, c'est évident. N'oubliez pas que le Maroc, c'est le seul de ces territoires arabes qui n'a jamais été colonisé par personne, et surtout pas par les Turcs. Foucault est obligé, pour entrer au Maroc, de se déguiser en rabbin. Mais comment se déguiser en rabbin et voyager au Maroc quand on ne sait pas l'arabe, quand on ne sait pas l'hébreu ? L'armée française est en relation avec des familles juives du Maroc, et c'est un rabbin marocain qui sait le français, car il y en avait, et beaucoup même, un rabbin marocain qui le prend sous sa protection, qui le fait passer pour un rabbin venu de Jérusalem, donc ce qui explique qu'il ne sache pas l'arabe parfaitement, qu'il sait l'hébreu en revanche, et ensemble, ils vont parcourir le Maroc durant une année. Et lui, de Foucault, est là pour prendre, faire le relevé, faire la description de toutes les villes qu'il traverse, de tous les villages, de toutes les exploitations agricoles, de toutes les rivières, bref, de toutes les ressources du Maroc. En un mot, c'est pas un officier, c'est pas seulement un militaire, c'est un géographe. Et en tant que géographe, il sait que la géographie, comme dit le géographe français Yves Lacoste, ça sert à faire la guerre. La géographie, ça prépare la guerre. Quand il revient à Paris, il rend un rapport à l'armée française. Son rapport, c'est 450 pages. C'est un livre, comme ça. Quand vous lisez ce livre aujourd'hui, plus d'un siècle après, c'est extraordinaire.
parce que c'est la description du Maroc en 1883. Et donc, traversant le Maroc, il rencontre toutes les communautés juives. Et qu'est-ce qu'il décrit ? Mais il décrit l'enfer. Ce n'est pas exagéré de dire qu'il décrit l'enfer. Alors qu'il est anti-juif. Il le dit, il n'aime pas les juifs. Il n'aime pas les juifs comme tout bon catholique français de la fin du XIXe siècle. On est 10 ans avant l'affaire Dreyfus, hein, c'est banal ça. Il a tous les préjugés du catholicisme français à l'égard des juifs. Bon, il n'aime pas les juifs, il le dit très clairement. Il reconnaît quand même qu'il est aidé par eux, par le rabbin, mais enfin il ne les aime pas. Et malgré tout, il ne peut pas s'empêcher de dire « La vie des juifs, c'est un enfer sur terre. C'est une condition abominable, infernale. » Bon, voilà donc le premier point, je ne veux pas être trop long, la dégradation de la condition juive. Le deuxième point, c'est que très vite, on s'aperçoit que dans cette condition juive, qui a été une condition écrasée, il y a une distinction à faire entre le monde arabe qui a été colonisé par les Turcs et celui qui n'a jamais été colonisé par les Turcs. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que dans les archives, comme dans les textes écrits par les contemporains, les trois pays où la condition juive est la plus violente, la plus dure, c'est le Maroc, le Yémen et la Perse, l'Iran. Or, les trois pays ont un point commun, ils n'ont jamais été colonisés par les Turcs. Vous me direz, le Yémen, oui. Oui, les Turcs sont entrés au Yémen en 1872. Ils ont tenté de s'imposer au Yémen, ils n'ont jamais réussi. Finalement, ils ont échoué et vers 1904-1905, ils ont commencé à battre en retraite. Et en 1918, avec la défaite dans la Première Guerre mondiale, ils sont partis complètement. Donc le Yémen a repoussé les Turcs. Ça veut dire que l'influence ottomane a été une influence adoucissante pour le sort des Juifs et que l'Empire ottoman a aboli le statut de dhimmi à deux reprises, en 1839 et en 1856. L'abolition du statut de dhimmi, c'est l'abolition d'un statut de protection qui est protection des minorités chrétiennes et juives en terre d'islam. Mais ce statut de protection est en réalité un statut d'infériorité, par définition. Et pour ça, il faut étudier le statut de dhimmi, le pacte d'Omar, ce que ça représente, etc. Et on constate que c'est effectivement un statut très inférieur, un statut d'humiliation permanente. Bon. L'Empire ottoman l'abolit. L'Empire ottoman est sur la voie de la modernisation, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici. Mais attention, c'est une banalité de le dire, mais il faut le dire quand même, il y a un monde, il y a un gouffre entre l'abolition dans la loi et l'abolition dans les mentalités. Ça veut dire que dans le texte, le statut de dhimmi est aboli. En réalité, dans les mentalités, dans tous les pays contrôlés par l'Empire ottoman, et même en Turquie, le juif restera un sujet inférieur, toujours inférieur. Et alors, a fortiori, dans les pays où les Turcs ne sont pas entrés, comme le Yémen, ou surtout le Maroc, et même l'Iran, même j'en parle un peu, même si ce n'est pas mon sujet, je suis obligé de parler de l'Iran, parce que l'Iran, c'est l'islam chiite, et pour comprendre l'Irak, qui est en partie chiite, et le Yémen, qui est en partie chiite, il faut aller s'intéresser à l'islam de l'autre côté, à l'islam chiite iranien. C'est très important. Parce que la vision du juif et la vision du non-musulman dans le chiisme est très différente de celle du sunnisme. Ça n'a même rien à voir sur le fond. Donc la question centrale, c'était celle-là, c'était la question de la dhimmitude, du statut de dhimmi, et comment, par le biais de la modernisation qui est venue par le colonisateur européen, qui est venu par le grand commerce et surtout qui est venu par l'école, comment les sociétés juives du monde arabe vont se moderniser, vont s'occidentaliser, vont s'émanciper petit à petit, de façon tout à fait autonome, grâce à l'école, et en grande partie grâce à l'école française, l'Alliance, grâce à l'école religieuse, des congrégations religieuses chrétiennes, ça par exemple c'est quelque chose que peu de gens savent, c'est qu'un grand nombre d'enfants juifs étaient envoyés par leur famille dans les écoles chrétiennes. Par exemple en Égypte, une bonne partie des enfants juifs fréquentaient les écoles des frères, ou les filles les écoles des sœurs congréganistes. Bon.
souvent dans la bourgeoisie, dans les classes élevées. Dans les classes populaires, c'était plutôt dans les écoles juives qu'on allait. Donc les écoles de l'Alliance, les écoles des frères et des sœurs, donc chrétiennes, les écoles également publiques françaises, anglaises ou italiennes en Libye. La jeunesse juive a fréquenté ces écoles très tôt. Quand l'Alliance a-t-elle ouvert sa première école ? Au Maroc, en 1862. C'est très ancien. Et donc, en 1914, l'Alliance israélite universelle est présente dans 15 pays du monde arabo-musulman. Elle contrôle 185 écoles. Et cette année-là, au mois de septembre 1914, il y a plus de 55 000 élèves qui font leur entrée scolaire à l'Alliance. 55 000 élèves, dont 95% sont juifs. Bon. C'est dire que c'est par l'école que la modernisation va arriver dans le monde arabo-musulman pour les juifs. Les juifs qui vont avoir une, puis deux générations d'avance sur le plan scolaire, sur la jeunesse musulmane. Et ces juifs formés à l'école, et en particulier à l'école de l'Alliance, sont des juifs qui vont être formés aux idéaux des Lumières, c'est-à-dire à tout l'héritage de la Révolution française, à tout l'héritage des Lumières occidentales, et en particulier des Lumières françaises de Condorcet, de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, de Montesquieu, etc. La question est la suivante, c'est que ces juifs formés à l'école des Lumières sur plusieurs générations, ces enfants juifs, qui vont faire 3 ans d'école, 4 ans d'école, 5 ans d'école, vont progressivement s'émanciper, s'occidentaliser. Et il va arriver un moment où il y aura un divorce total entre la condition de dhimmi, c'est-à-dire le regard que le musulman porte sur eux, et la façon dont ils se voient eux-mêmes, c'est-à-dire comme des sujets émancipés, des sujets de droit, nourris par l'esprit des Lumières, des sujets donc qui ne sont pas prêts, qui ne sont plus prêts à supporter la condition d'infériorité que leur impose le monde arabo-musulman et donc la condition de dhimmi, même si cette condition a été abolie. Bon. Ça, c'est le deuxième élément central du livre, si vous voulez. Comment l'émancipation se fait? Et cette émancipation, d'ailleurs, elle se traduit dans la vie quotidienne par le fait qu'on va porter des prénoms de plus en plus occidentaux. On abandonne les prénoms juifs, par exemple, en 1920 en Irak, en Égypte, au Maroc, les garçons ne s'appellent plus Moshe ou Yaakov ou Yitzhak. Ils s'appellent Maurice. Ils s'appellent Luigi, par exemple, en Libye. Pour les Italiens, ils s'appellent Edwards en Irak ou Andrews, par exemple. Pour les Juifs irakiens qui sont d'influence anglaise, etc. Comment le costume va changer? Comment le grand-père est habillé encore à l'arabe, en gandoura? Comment le petit-fils est habillé à l'occidental? Ça, c'est frappant. Comment le respect du Shabbat va changer? Comment les sociétés si traditionnalistes, dans ces couches instruites de la société, qui n'est pas toute la société juive, évidemment, mais dans les couches instruites, progressivement, il y aura un éloignement très lent, très diffus, vis-à-vis de la religion, donc vis-à-vis du Shabbat, vis-à-vis de la nourriture cachère. Par exemple, on va se mettre secrètement, clandestinement, en cachette des parents, à fumer le Shabbat, à prendre le train le samedi, ce qui est tout à fait interdit, évidemment. Bon. Donc, en un mot, comment progressivement la tradition s'effrite. Alors, là-dessus, il y a évidemment beaucoup d'autres... Je viens de passer en revue deux points clés du livre, mais il y a beaucoup d'autres choses. Je ne peux pas passer tout en revue, puisque le temps passe très vite. Mais il y a beaucoup d'autres questions. C'est entre autres la question du sionisme. Quand le sionisme est-il apparu dans le monde arabe? Et est-il apparu dans le monde arabe? En fait, quand vous interrogez les gens sur le sionisme, ils vous disent Herzl, Theodor Herzl. Ils vous disent les sionistes russes, le sionisme allemand, le sionisme d'Europe centrale. C'est vrai. Bon. Et ce qui est surtout vrai, d'ailleurs, plus qu'Herzl, c'est le sionisme russe. L'origine réelle du sionisme, c'est la Russie, c'est pas Herzl. Herzl, c'est l'héritier. Bon. Mais en fait, quand vous plongez dans les archives, vous apercevez que très tôt, du vivant d'Herzl, je rappelle qu'Herzl est mort en 1904, du vivant d'Herzl, il y a des mouvements sionistes qui se créent partout dans le monde arabe, et même dans le monde arabo-musulman, c'est-à-dire même en Iran, sauf au Yémen, où c'est strictement interdit. C'est puni carrément de mort. Bon. Mais partout ailleurs, il y a des mouvements sionistes qui se créent au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, etc. Absolument partout. Alors quel rôle, voilà la question, quel rôle
le sionisme a-t-il joué? Quel sens social le sionisme a-t-il eu? Par exemple, qui adhérait au sionisme? Quelle classe sociale? C'est pas n'importe qui adhérait au sionisme. C'est pas dans la bourgeoisie qu'on va trouver les sionistes. C'est pas non plus dans les classes les plus populaires. Pas du tout. C'est dans les classes moyennes. Et dans ces petites classes moyennes, le sionisme a un sens particulier. C'est celui d'une émancipation. Le sionisme émancipe de quoi? Émancipe des rabbins et émancipe des élites financières de la communauté juive. Le sionisme est émancipateur. D'ailleurs, c'est ça le sens global du sionisme. Bon. Donc, c'est un sens social. Et ce qui est très frappant par rapport au sionisme ashkénaze, c'est qu'on sait que le sionisme ashkénaze, qui est majoritaire, bien sûr, c'est un sionisme qui s'est bâti contre la religion. Les sionistes ont été en guerre contre les rabbins. On le sait. Bon. Et ici, pas du tout. Ici, le sionisme est dans la continuité de la religion. Et ça, ça pose une question. Pourquoi, dans le monde de l'Orient arabe, les sionistes se sont globalement bien entendus avec les rabbins? Alors que dans le monde ashkénaze, c'était la guerre. Tout simplement parce que dans le monde arabe, il n'y a pas eu d'émancipation. Dès lors qu'il y a eu émancipation, l'élite juive émancipée, devenue sioniste pour une partie d'entre elles, est entrée en guerre contre le monde rabbinique. Quand il n'y a pas d'émancipation, bien le sionisme de ces juifs de culture arabe, c'est un sionisme qui est dans le droit fil de leur identité juive. Il n'y a pas de contradiction, si vous voulez, entre leur identité juive traditionnelle et leur sionisme. C'est la même chose. En étant sionistes, ils continuent à être juifs. Et donc ils vont être sionistes et continuer à lire la Torah, et continuer à étudier le Talmud, alors que les sionistes ashkénazes, quand ils arrivent en Palestine, les Ben Gurion et les autres, tous ceux qui sont qui étaient les fondateurs de l'État d'Israël, ils n'ont aucun rapport avec la religion. Par exemple, on sait pas, on sait peu que la plupart des grands sionistes russes, qui sont pas connus du grand public, Yosef Haïm Brenner, qui a été l'un des grands pères de la littérature hébraïque, Katz Nelson, qui a été l'un des pères du syndicalisme israélien, etc. Ces gens-là n'avaient aucune... Ils connaissaient bien la Torah, ils avaient une étude, ils avaient une culture rabbinique très forte. Étant enfants, ils avaient fréquenté l'école rabbinique, ils connaissaient très bien les textes. Mais par exemple, un Ben Gurion, un Katz Nelson, un Brenner, qui sont des grands noms de la fondation de l'État d'Israël, hein, est-ce qu'ils sont allés voir le mur occidental à Jérusalem, qu'on appelle le mur des Lamentations? Non. Non, ils n'y vont pas. Par exemple, Ben Gurion, il va 7 ans après son arrivée, par hasard, parce qu'un jour il passe à Jérusalem, pas loin, il va le voir, le mur. Mais ils n'ont fait aucune démarche pour aller le voir. Donc il y a une rupture profonde avec la tradition juive, ce qui posera d'ailleurs plus tard des problèmes à l'identité israélienne, mais ce n'est pas le sujet. Bon. Il y a un quatrième point, évidemment, auquel j'ai été confronté, c'est qu'on ne peut pas étudier le monde juif en terre arabe sans étudier le monde arabe, évidemment. Donc le nationalisme arabe. Et d'où ma question, c'est que je me suis aperçu que ce nationalisme arabe au début, dans les années 1910-1920, est un nationalisme ouvert. C'est le Waft égyptien, le parti Waft en Égypte, a été fondé par un arabe, Saad Zaghloul, mais dont le principal ami était un juif, un avocat juif qui s'appelait Léon Castro, qui est aussi fondateur avec lui du parti Waft égyptien. Donc, à l'origine du nationalisme arabe, vous avez beaucoup de juifs qui luttent pour l'émancipation du monde arabe et pour la fin du colonialisme, français ici, italien là, anglais ici. Bon. D'où la question, comment ce nationalisme ouvert des années 1910 est-il devenu un nationalisme fermé, de plus en plus fermé, dans les années 1930-1940? Pourquoi? Quels sont les facteurs qui ont joué? Est-ce que le ressentiment a joué un rôle? Est-ce que le sentiment d'humiliation après 1918 de la nation arabe a joué un rôle? Oui, quand je pose la question, la réponse est oui, évidemment. Est-ce qu'il y a eu une croyance au complot? Et de là, comment expliquer que le nationalisme arabe a évolué vers un nationalisme ethnique, c'est-à-dire un nationalisme basé sur le sang et sur le sol, exactement comme le nationalisme allemand du XIXe siècle? Ça, c'est quelque chose de frappant, la parenté entre les deux nationalismes. Alors on peut dire parce que ce sont des nationalismes jeunes, c'est vrai, c'est un facteur d'explication, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire un nationalisme exclusif et ethnique? Ça veut dire que le nationalisme allemand du XIXe siècle, Bismarck si vous voulez, ou avant Bismarck, dit ceci.
vous ne pouvez pas devenir allemand. Vous êtes allemand, vous êtes né allemand, vous ne le deviendrez jamais. C'est-à-dire qu'un juif qui vit en Allemagne depuis 6 siècles, par exemple, et qui, comme je le disais tout à l'heure, parle l'allemand ou écrit l'allemand mieux que Goethe, où il y a un grand nombre d'écrivains juifs, juifs allemands, tout le monde le sait, Heinrich Heine, tout le monde sait qu'il est d'origine juive, entre autres, et d'autres, eh bien, ce que le nationalisme allemand leur dit au XIXe siècle, c'est qu'ils ne seront jamais des Allemands. Bon. Ce que va dire le nationalisme arabe, au XXe siècle, à partir des années 30-40, c'est exactement la même chose aux juifs. Vous pouvez connaître le Coran par cœur, vous pouvez parler parfaitement l'arabe, mieux que nous-mêmes, vous pouvez écrire parfaitement en arabe, vous ne serez jamais des Arabes. Ils ne feront pas partie de la nation arabe. Et du coup, ça pose encore une autre question. Comment expliquer la sympathie du monde arabe pour le nazisme durant les années 40? Comment expliquer que l'opinion arabe, avec des guillemets, l'opinion arabe, hein, l'opinion parce qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de presse libre, c'est difficile de savoir ce qu'est l'opinion. Mais on a les rapports quand même dans les archives de la police, on a les rapports des agents, des agents britanniques, allemands, français, américains, etc., qui sont au Proche-Orient et qui envoient des rapports. Mais tous disent la même chose, hein, dans tous les camps, aussi bien le camp anglais par exemple que le camp allemand, disent la même chose. L'opinion arabe à Tunis, à Tripoli, mais à Tunis, au Caire et à Bagdad, c'est une opinion massivement pro-allemande, pro-hitlérienne. Hitler est un héros dans le monde arabe. Mein Kampf est traduit en arabe dès 1934. Mein Kampf se vend énormément parmi la bourgeoisie arabe qui lit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a affaire à des pays d'analphabètes. 85% d'analphabètes, donc c'est une petite couche qui est intellectuelle, qui lit. Donc comment l'expliquer? Est-ce que c'est simplement lié au fait que, par anticolonialisme, le nationalisme arabe a été favorable à l'Allemagne? Bien sûr que ça a joué, oui, évidemment. Puisque l'ennemi est anglais ou l'ennemi est français, bien sûr. Mais est-ce que ça n'est que par anticolonialisme? Non. Il y a des facteurs plus complexes, plus subtils, qui fait qu'il y a des... et pas par antisémitisme uniquement, qui fait qu'il y a des affinités idéologiques entre les deux, entre les conceptions de la nation en Allemagne et dans le monde arabe. Ce qui fait que l'un des points encore sur lequel que j'ai voulu mettre en lumière dans ce livre, c'est combien, pour comprendre le départ des Juifs du monde arabe, parce que je suis parti de cette question, pourquoi sont-ils partis si vite? Et ce qu'autour de moi on me répondait, c'est toujours Israël, la création d'Israël, la guerre avec Israël. Bon. Or, si j'ai pas le livre ici, mais si vous regardez la couverture du livre en français, la date de départ du livre, c'est 1850, c'est-à-dire 100 ans avant la naissance d'Israël. Parce que, au fur et à mesure du travail, j'ai été convaincu que la raison profonde du départ, c'est ce qu'on appelle la modernité, au sens des Lumières, c'est-à-dire la naissance du sujet. D'un sujet pensant, d'un sujet de droit, d'un sujet égal en droit aux autres, bref, d'un sujet émancipé. Émancipé par la Révolution française, par la Révolution anglaise, par le siècle des Lumières, bref, par tout ce qu'a apporté l'Occident en matière de liberté individuelle et collective. Eh bien, il est arrivé un moment où l'émancipation juive... De fait, une émancipation juive, surtout l'émancipation dans les classes supérieures de la société, est devenue insupportable pour la conscience arabe. Et là, forcément, quand je tombais sur des textes qui me disaient cela, des textes d'archives, hein, qui me disaient cela, et de toutes les sources, hein, par exemple, j'avais des textes de police, la police française, qui disaient exactement cela. Et j'avais des textes de la police anglaise à Bagdad, qui me disaient la même chose en anglais. C'est-à-dire que les Arabes ne supportent pas les Juifs libres. Un Juif émancipé, un Juif qui se prétend être un homme égal en droit à un musulman, c'est insupportable, c'est inimaginable, c'est invivable. Et quand j'ai des archives de police de toutes sources, et les Italiens, chez vous, donc en Libye, disent exactement la même chose, dans les années 20-30, en Libye,
que le monde arabo-musulman libyen ne supporte pas l'émancipation juive, eh bien, j'avais forcément affaire ici à un problème anthropologique. C'est-à-dire que, dans l'économie psychique du monde arabo-musulman, ou si vous préférez, dans l'imaginaire mental du monde arabo-musulman, on a affaire à un imaginaire qui est fondé sur la soumission et qui est fondé sur la servitude. Alors, ce serait trop facile de dire c'est fondé sur la soumission du juif, mais non. C'est fondé sur la soumission en général, sur la servitude en général. Et pourquoi ? Parce qu'on a oublié que ce sont des sociétés qui sont très largement d'abord basées sur l'esclavage. On a oublié le passé esclavagiste de ces pays. L'esclavage a été aboli en Arabie en 1968. Il y a à peine 50 ans, même pas, 40 ans. 1968. Or, ces sociétés arabes ont été des sociétés esclavagistes pendant plus d'un millénaire, bien après l'Occident. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a oublié le facteur musulman, Coran. Hier, à l'Université de Rome, à la Sapienza, le professeur Luigi Golia, je ne sais pas ce qu'il est connu, il a fait une intervention à propos de ce livre que j'ai trouvé en italien, donc pour ce que j'ai compris, hein, j'ai trouvé très brillante. Et il a parlé du Coran et uniquement du Coran. Il connaît très bien. Et il ne faut jamais oublier que, moi j'étais obligé de lire le Coran, parce que quand je tombais beaucoup sur des citations, des sourates, etc., j'ai acheté le Coran en français, j'ai commencé, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu un grand nombre, une bonne partie du Coran quand même, pour vérifier si ce que je lisais dans les rapports était vrai dans le Coran. Et effectivement, c'était vrai, c'était vérifié. Eh bien, ce que disait Yaluji Golia, c'était que toute l'économie psychique aussi du Coran repose largement sur la soumission, et que le mot lui-même, Coran, qui veut dire l'appel, hein, bien sûr, c'est l'appel, le Coran. Mais que l'islam, ça ne veut pas dire ça. L'islam, c'est d'abord la soumission. On se soumet à Dieu. Et là, il a fallu élargir le sujet pour s'interroger sur l'économie psychique du monde arabo-musulman et savoir pourquoi elle fonctionne très largement sur la soumission et sur la servitude, mais une échelle de soumission qui va du plus haut vers le plus bas. Et du coup, ce que je voyais, moi, dans mes rapports des archives et autres, c'était que la condition du juif était inséparable de la condition de la femme. On ne pouvait pas séparer les deux. La condition juive, la condition de la femme, c'était exactement la même chose. Et quand il y avait émancipation, et quand il y avait instruction, élévation du niveau scolaire, instruction, etc., il y avait aussi émancipation de la femme. Et c'était tellement vrai que la condition du juif était comme la condition de la femme, c'est qu'une fois, je suis tombé dans une archive, sur une archive française au Maroc, où c'était un officier français qui écrivait à ses supérieurs à Paris. Et pour leur expliquer comment les musulmans méprisaient les juifs, il écrivait ceci dans son rapport, en français donc, il écrivait « Un musulman considère qu'un juif, c'est comme une femme. » Et il écrivait après, en plus après le mot en arabe, mais en lettres latines, « Kif al-mara » comme une femme. C'est très étonnant, parce que ça, je l'avais lu ailleurs, mais je ne l'avais pas lu de telle... J'avais lu de sources juives, ça, hein, mais je n'avais pas lu d'une source non-juive. Et c'était assez troublant, si vous voulez. Donc, voilà quelques-uns des points clés du livre. Évidemment, il n'y a pas que ça, parce qu'ensuite, je me pose aussi la question du départ. Est-ce que le conflit en Palestine a joué dans le départ ? Bien sûr. Quand ? Comment ? Pourquoi ? Chez qui ? Ce n'est pas à partir de n'importe quelle période, à partir de la déclaration Balfour ? Pas exactement. Mais est-ce que la déclaration Balfour a été un choc pour les élites arabes intellectuelles ? Oui. La déclaration Balfour est une agression pour eux, et une agression coloniale, totalement colonialiste. Dans un âge, à un moment où le monde arabe est colonisé, effectivement. Tout le monde arabe est colonisé. Et même l'Irak est passé de la domination turque à la domination anglaise. Bon. Les pays non colonisés à ce moment-là, à part le Yémen et l'Arabie, et encore, il n'y a pas beaucoup. Hein. Bon. Donc, que le sionisme ait été un traumatisme pour le monde arabe, c'est vrai. C'est une évidence. Mais à partir de quand pour l'ensemble du monde arabe, c'est-à-dire même pour le paysan ou pour l'ouvrier analphabète de Casablanca ou de Bagdad? À partir de 1930 seulement, pas avant. Donc bien avant la création d'Israël, la question de la Palestine est une question centrale pour la sensibilité arabe et une question traumatisante. Donc que le conflit ait joué un rôle dans le départ, oui. Ensuite, forcément, s'est posée la question pour moi de savoir pendant la guerre,
la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'était passé? Bon, je ne vais pas résumer ici parce que c'est trop long, et puis ce n'est pas passé la même chose en Irak, au Maroc, ou en Libye ou au Yémen, ça n'a rien à voir même. Et même s'il y a une unité de civilisation arabo-musulmane et une unité de civilisation juive dans ces pays-là, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas du tout écrit ce livre pays par pays, ça n'avait aucun intérêt. Ce livre est une étude chronologique essentiellement d'avant la Première Guerre mondiale, puis de l'entre-deux-guerres, puis de la Seconde Guerre mondiale et ce qui a suivi. Et je fais une étude transversale. Je ne fais pas une étude pays par pays parce qu'il y a une unité, ce que j'essaye de démontrer, de la condition juive en terre arabe, comme il y a une unité malgré tout culturelle arabo-musulmane. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? Bon, c'est trop long ici pour le résumer en une minute parce que je vois déjà qu'il est 4h15, mais une chose est sûre, c'est que ça s'est terminé par la tragédie absolue du départ forcé des juifs du monde arabe. Pourquoi forcé? Parce que dans l'immense majorité des cas, ces juifs ne sont pas sionistes. Qu'une partie d'entre eux soit des juifs religieux messianiques, qui aient vu la création d'Israël comme l'arrivée du Messie, oui. La majorité, non. Donc, un grand nombre de juifs ont été obligés de partir, dans des conditions épouvantables de violence et de spoliation. C'est-à-dire que tous les biens ont été volés, tous, sans exception. Les biens des juifs d'Irak, qui étaient la communauté la plus riche de tout le monde arabe, les biens des juifs d'Irak ont été gardés en Irak, les biens des juifs de Tunisie sont en grande partie restés, ceux de, enfin bref, à peu près partout. Ceux d'Égypte, et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, le monde arabe ne le reconnaît pas, mais il y a une semaine, j'ouvre une parenthèse avant de conclure, il y a une semaine, il y a un chef des frères musulmans en Égypte qui a invité les juifs d'Égypte en Israël à revenir en Égypte. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Et il a dit, revenez en Égypte, nous vous rendrons vos biens. Il reconnaissait par là. On leur avait volé tous leurs biens. Ce que tout le monde sait, mais ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. J'ai encore évidemment beaucoup de choses à dire. Je voudrais dire deux mots de conclusion, parce que sinon ça va nous entraîner trop tard. Est-ce que ce livre est un livre sur les communautés juives du monde arabe? Non. Ça paraît étrange de dire non, parce qu'on pourrait penser que c'est un livre d'histoire juive uniquement, non. Ce que je veux dire par là, c'est que la question qui m'a préoccupé, enfin qui m'a en tous les cas, moi, passionné, hein, si vous voulez, c'est comment un monde traditionnel se défait. Comment un monde traditionnel se dissout, disparaît, décennie après décennie, doucement, en 2, 3 générations, 4 générations, et du coup, ça pose la question de savoir, quand un monde traditionnel se défait de l'intérieur, sans révolution, sans bouleversement, sans guerre, sans génocide, qu'est-ce que la modernité? Et pourquoi la modernité a-t-elle réussi à dissoudre le monde juif traditionnel de la Torah? Premier point. Deuxième point, la question qui m'a passionné, c'est comment un sujet colonisé, c'est-à-dire un sujet dominé, comment devient-il un sujet émancipé? Comment devient-il un sujet de plein droit? Et qu'est-ce que la désaliénation du juif? Alors, pour moi, ce n'était pas un sujet nouveau parce que j'ai travaillé 6 ans sur un livre, Histoire du sionisme, qui a été publié donc, par Einaudi, traduction italienne. Et ce qui m'a passionné dans l'histoire du sionisme, c'est ça essentiellement. C'est que le sionisme, c'est l'histoire de la décolonisation du sujet juif. Comment le sujet juif, qui est un sujet dominé, devient un sujet émancipé, égal en droit, bref, un sujet de plein droit. Et là, ça va bien au-delà du juif. C'est en fait la question de la désaliénation, donc de l'émancipation, donc de la décolonisation du juif, de la femme, du domestique, de tous ceux dont la condition est une condition écrasée. C'est ça l'histoire de ce livre, sur le fond. Troisième point, qui m'a intéressé aussi, et qui m'a encore plus intéressé après la sortie du livre, au moment des débats en France, sur la sortie du livre, c'est comment fonctionne la mémoire collective. Quelle est la fonction identitaire de la mémoire? Parce que c'est surtout une fonction identitaire. Et comment les mécanismes de domination sociale sont des mécanismes masqués, incorporés, réifiés? Et comment les dominés n'arrivent pas à sortir réellement, à écrire leur histoire de dominés et à décrypter, c'est-à-dire à démasquer, à dévoiler les mécanismes qui les dominent? Et là, au fur et à mesure que j'écrivais vers la fin du livre, vers la conclusion, je ne pouvais pas ne pas rendre hommage à Pierre Bourdieu.
Je pense qu'il est traduit en italien, Bourdieu. Hein. Bon. C'est, quoi qu'on pense de Bourdieu, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas pour ses engagements de la fin de sa vie, etc. Peu importe. L'important, c'est ce qu'il a écrit, surtout vers la fin. C'est l'un des plus grands penseurs de la domination, sur le fond. Comme Albert Memmi, il y a 50 ans, dans le portrait du colonisé, dans le portrait d'un juif, Albert Memmi qui est toujours vivant, qui a plus de 90 ans, eh bien Albert Memmi et Pierre Bourdieu, grands penseurs de la domination, je crois que là aussi, au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, je ne pouvais pas ne pas leur rendre hommage et me dire que ces gens-là, et surtout Memmi quand j'étais adolescent, et Bourdieu beaucoup plus tard, adulte, m'avaient beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnait la domination et comment le sujet juif est devenu un sujet libre, progressivement libre, et comment cette liberté a été insupportable aux yeux d'un monde basé sur la soumission et la servitude, qu'était le monde arabo-musulman de l'époque. C'est pourquoi je disais, je termine là-dessus, c'est pas une histoire des communautés, c'est pas une histoire tribale, loin de là, c'est une histoire qui, derrière le singulier, effectivement, je parle des juifs du monde arabe, oui, bien sûr, c'est une histoire qui, derrière le singulier, parle de l'universel, sur le fond. Comme, d'ailleurs, dans tout livre d'histoire, je crois que c'est vrai de tout livre d'histoire, ce que je dis là. Quand vous faites l'histoire, je sais pas, de n'importe quoi, de l'histoire des princes français au XVIIe siècle, ou l'histoire de la révolte de la Commune, ou de l'histoire des marchands italiens du XIVe siècle, etc., vous dépassez très largement votre sujet, et vous faites aussi de l'anthropologie. Donc, derrière une histoire singulière, il y a toujours une histoire universelle. Il n'y a pas d'histoire, je l'ai dit tout à l'heure au début, j'y reviens là-dessus, il n'y a pas d'histoire qui ne soit pas de l'anthropologie sur le fond. Et il n'y a pas d'histoire non plus qui ne soit pas toujours une histoire de décryptage social de la domination. Toute histoire est une mise à nu des rapports de domination. Et pas seulement des rapports de classe, c'est pas ça que je veux dire, des rapports de domination sous tous ses aspects, et en particulier par le biais du langage et du corps, sur le fond. Eh bien, d'une certaine façon, l'histoire des Juifs en terre arabe, c'est ça aussi. Voilà. Merci beaucoup pour votre patience. Molte grazie al professor Bensoussan per questo intervento ricco di tanti spunti stimolanti sotto vari profili, il profilo appunto metodologico del come fare storia, del suo significato nella società d'oggi, ma anche ricco di spunti sotto il profilo della comprensione attuale di uno dei problemi del nostro mondo, cioè il conflitto arabo-israeliano. Credo che dobbiamo essere grati anche per questa riproposizione di uno dei drammi che vive il nostro mondo in una prospettiva di lungo periodo e quindi dello sforzo di aiutarci a capirlo al di là delle categorie immediate e spesso banali. Il professor Bensoussan è molto lieto di rispondere alle domande, a delle questioni. Avremo ancora un po' di tempo e se volete potete approfittare di questa occasione per approfondire qualcuno dei tanti spunti che la sua relazione ci ha offerto. Prego. La naissance de du vrai antisémitisme en Allemagne se pose exactement dans la même situation. C'est quand c'est la parification des droits des juifs qui porte à l'antisémitisme hitlérien en Allemagne. Ça, c'est
c'est une opinion, je crois, assez répandue. Même Morse le dit. Au fait, à la fin du 19e siècle, par exemple, l'antisémitisme est plus violent probablement en France qu'en Allemagne. Et voilà, alors je vous demande, cette analogie monde arabe, nationalisme arabe, nationalisme allemand, antisémitisme arabe, antisémitisme allemand. Il y a l'analogie peut se jouer même sur ce plan. C'est ça ma question. Oui, je ne sais pas si j'ai été assez clair. Oui, à peu près. Je vais essayer de vous répondre. La grande différence, tout de même, entre les deux antisémitismes, c'est toute la querelle théologique entre la chrétienté et le judaïsme, qui est une querelle violente entre la religion mère et la religion fille, qui n'existe pas dans l'islam. L'islam estime être la religion qui parachève les deux autres, la religion finale. Bon. Et d'ailleurs, l'islam reconnaît les prophètes juifs et aussi chrétiens, Jésus. Bon. Donc, il n'y a pas de vraie querelle théologique, et c'est pourquoi dans l'islam, il n'y a pas de lutte à mort entre les deux religions avec le judaïsme. Il y a des querelles, des distinctions, des différences, c'est vrai. Il n'y a pas de haine, c'est pas la culture de la haine, alors que dans le christianisme, ça a été longtemps la culture de la haine. Bon. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'une judéophobie en terre d'islam qui ne va pas virer vers l'antisémitisme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle pour que cet anti-judaïsme musulman traditionnel qui est basé sur le mépris et pas sur la haine? C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit convivialité et mépris. J'aurais pas dit ça dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien, j'aurais plutôt dit de la haine. C'est pas vrai dans le monde musulman. Ça peut déboucher sur la haine parfois, mais c'est plutôt le mépris, la condescendance. Bon. Au XXe siècle, aussi sous l'effet d'une certaine modernité, une modernité qu'on pourrait appeler les anti-lumières d'Occident, c'est aussi un visage, disons, de l'anti-modernité, c'est-à-dire le visage du darwinisme social, du darwinisme racial, le visage du racisme, tout simplement. Une partie de ce nationalisme arabe a évolué vers une conception beaucoup plus biologique de la nation, beaucoup plus raciale de la nation, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, elle a nourri vis-à-vis des Juifs une vision raciale qui était totalement étrangère au monde arabo-musulman traditionnel. Le monde arabo-musulman traditionnel a une vision des Juifs qui est une vision théologique, pas une vision raciale. Avec l'introduction de ces idées modernes des anti-lumières venues d'Europe, aussi dans le monde arabe et dans les élites du monde arabe, du moins dans une partie des élites du monde arabe, il y a eu une évolution vers un antisémitisme de type racial, donc de type biologique. Et à ce moment-là, le juif est devenu l'élément corrupteur par excellence qui ne pourrait jamais faire partie de la nation arabe parce que d'un sang différent. Alors que dans le nationalisme arabe des premiers temps, comme en Égypte j'ai dit tout à l'heure, un juif et un musulman ne diffèrent que par la religion, mais ils sont l'un et l'autre du même monde, de la même culture, donc ils font partie du même combat pour la nation arabe. C'est ce qui va les distinguer sur le fond. Et donc cette nazification, il y a eu une nazification d'une partie seulement, hein, du nationalisme arabe, elle est aussi directement l'héritière, disons, de la plus mauvaise part de l'Europe, de la part des anti-lumières. Prego, Martin. Magari il microfono. Je m'appelle Martine Bismuth. Ma famille est originaire de Tunisie, famille juive. Et j'aurais une question à vous poser. Mes arrière-grands-parents ne parlaient qu'arabe. Mon arrière-grand-père était, paraît-il, tailleur du Bey de Tunis. Un quart de ma famille est livournais, la famille de ma grand-mère maternelle. Et on parlait donc dans ma famille italien, français, arabe.
Il y avait déjà une forte hiérarchie entre les juifs livournais qui méprisaient cordialement les juifs tunisiens. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est plutôt un cordial mépris de la part des juifs tunisiens à l'égard des arabes. Et pas le contraire. Et donc, mes arrière-grands-parents ne parlaient qu'arabe. Mes grands-parents parlaient arabe, français, italien. Mes parents, qui ont quitté la Tunisie en 1946, ne parlaient pas du tout arabe, alors qu'ils avaient été élevés, ma mère en Algérie et mon père en Tunisie. Et il me semble quand même qu'on peut aussi se poser cette question-là. Pourquoi cette perte de culture que, personnellement, je ressens, moi, très fortement. Oui, merci pour votre question, parce que votre intervention, votre question et votre intervention mettent l'accent sur des points fondamentaux. Vous avez parlé d'un mépris des Juifs envers les Arabes, vous avez tout à fait raison, bien sûr. Faites attention aux dates. Faites attention à la chronologie. Le mépris dont vous avez été témoin ou dont vos parents ont été témoins est avéré en Tunisie, au Maroc, en Algérie, partout, absolument partout. Ça, c'est vrai. C'est un mépris du temps du colonisateur et c'est un mépris qu'on peut interpréter comme une revanche des Juifs. Les Juifs prennent enfin leur revanche sur des Arabes qui les ont toujours écrasés. D'où la question, comment les Juifs ont-ils perçu l'arrivée des colonisateurs ? Eh bien, je vais vous répondre en deux mots. À 90%, ils ont vécu l'arrivée des colonisateurs comme des libérateurs. En Algérie, les Français ont été accueillis comme des libérateurs par les Juifs. Au Maroc, c'est la même chose, tous les rapports disent la même chose, les Arabes disent la même chose comme les sources françaises. En Irak, les Anglais sont accueillis comme des libérateurs, en Libye, les Italiens sont accueillis à bras ouverts, etc. etc. Donc, ma question est la suivante, pour que des indigènes, les Juifs sont des indigènes, on est d'accord, voient les envahisseurs européens comme des libérateurs, qu'est-ce qu'ils vivent ? Quelles conditions écrasées vivent-ils ? Quelle domination subissent-ils ? Sinon, ils ne les auraient pas accueillis ainsi. C'est parce qu'ils sont écrasés par la domination arabe qu'ils voient le colonisateur, qui est un envahisseur, qui est un étranger, pour lui comme pour l'arabe son voisin, comme un libérateur. Et effectivement, c'est un libérateur. Et du coup, à l'époque de la colonisation dont vous parlez, vos parents, vos grands-parents, etc., effectivement, les Juifs ne se font pas prier pour mépriser cordialement les Arabes. Et ils les méprisent partout, parce que c'est leur revanche d'une certaine façon. Et j'ajoute, parce que ça, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on ne peut pas parler de tout en une heure, c'est qu'à l'intérieur même du monde juif, le mépris est très fort entre les différentes strates de la communauté, des communautés, car ce ne sont pas des communautés, en fait, ce sont des sociétés. Vous avez parlé des Livournais, les Granats. Méprisés totalement les Juifs arabes. Au Maroc, les Juifs d'origine espagnole méprisaient totalement les Juifs arabes. Et ainsi de suite. Donc il y a effectivement des oppositions, une hiérarchie du mépris. Et ce mépris dont vous parlez vis-à-vis des Arabes, il est totalement avéré. Alors, et encore plus dans un territoire comme l'Algérie, où les Juifs ont été complètement français, par décret Crémieux. Mais encore une fois, faites attention aux dates, à la chronologie, et considérez qu'il s'agit aussi d'une revanche de l'histoire de gens qui ont été perpétuellement écrasés. Des questions à proposer, un peu naïves peut-être, mais quand même. Donc la première, c'est disons factuel. Cette communauté d'origine arabe, quel rôle, s'ils sont encore coeses en Israël, et s'ils sont encore compacts en Israël, ou s'ils sont dispersés, et éventuellement quel rôle idéologique elle exerce dans la société israélienne. Donc ça c'est une question. Une autre question, c'est vous avez bien souligné le rôle de la soumission dans l'idéologie islamique et dans l'imaginaire musulman. Et donc ça pose une énorme difficulté à évoluer dans les
futur, dans le temps futur, ou bien on peut espérer que, comme en Europe, on peut arriver... Maintenant, il y a en Europe des tensions aussi antisémitiques et des tensions antiraciales au large sens. Mais ce n'est pas la société, pas la société, l'imaginaire européen qui accueille cette sorte d'idéologie. C'est une idéologie marginale et à combattre. J'ai compris. Oui, j'ai compris vos questions. Je vais commencer par la deuxième. Je dis, il y a une dimension anthropologique à cette histoire des Juifs du monde arabe. Bon, d'accord. Et du coup, vous avez parfaitement repris dans votre conclusion en disant que ce n'était pas le propos de mon livre, mais au fur et à mesure que je l'ai écrit, moi j'en suis arrivé à penser ça aussi. Je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez parfaitement deviné. J'ai vu le conflit israélo-arabe autrement. J'ai vu qu'il y avait dans ce conflit qui dure depuis un siècle une dimension anthropologique qui est rarement mise en avant. On met en avant les colonies, les réfugiés, Jérusalem, tout ça c'est des vrais problèmes, l'eau, etc., etc. C'est des vrais problèmes politiques, les frontières, les droits des Palestiniens, tout ça. Bon, tout ça, c'est légitime et authentique. Et en même temps, ça ne suffit pas. Il y a une dimension anthropologique. Et si on ne prend pas en compte cette dimension anthropologique, et si on ne regarde que le premier plan, le conflit politique, on ne peut pas comprendre pourquoi ce conflit, qui est malgré tout mineur, dure depuis un siècle. Je rappelle quand même que c'est un conflit qui concerne un tout petit territoire. C'est un conflit qui concerne moins de 10 millions de personnes. C'est la population de la région parisienne. Et c'est un conflit qui a fait, en 60 ans, moins de 100 000 morts de tous les côtés, côté arabe et côté israélien, moins de 100 000. Pensez simplement, rien qu'en Syrie, ce qui se passe depuis un an et demi, on en est entre 45 000 et 60 000 morts. Un conflit civil, hein, en plus, en Syrie. Bon. Pensez simplement ce qui se passe au Congo avec les 3 millions de morts, etc. Bon. Donc voyez, un petit conflit qui est ce que les géographes appellent un conflit de basse intensité, très localisé géographiquement, qui passionne la terre entière. C'est qu'il y a plus de correspondants, de journalistes en Israël et en Palestine que dans toute l'Afrique. Et on n'arrive pas à trouver la solution. C'est qu'il y a aussi une profondeur dans le conflit qu'on ne voit pas, la dimension anthropologique. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas bouger? Bien sûr que si. Est-ce que l'histoire est finie? Est-ce que l'histoire se termine? Est-ce qu'il y a une nature humaine immuable, une essence des peuples qui ferait que rien ne bougerait? Pas du tout, ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a une essence allemande qui condamne les Allemands au nazisme? Non. Les Allemands ont tourné la page du nazisme depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une essence polonaise antisémite? Non. Qu'il y ait un antisémitisme fort aujourd'hui en Pologne? Oui. Est-ce que toute la nation polonaise aujourd'hui est 99% antisémite? Non. Non, ça bouge, ça évolue. Je ne dis pas que ça évolue vite. Hein. Non. Je ne suis pas naïf. Bon. Mais ça évolue doucement. Donc est-ce que dans le monde arabe, demain, ça pourra évoluer? Je pense que oui, par définition, oui. Rien n'est fermé. Rien n'est fermé dans l'histoire humaine. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, sur votre première question, qui est très importante, les communautés juives du monde arabe en Israël, est-ce qu'elles vivent groupées et quel rôle jouent-elles? On ne peut pas les amalgamer, là, justement, parce que selon le niveau d'éducation, elles ont été plus ou moins bien accueillies. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont été, dans l'ensemble, plutôt mal accueillies en Israël. Elles ont été accueillies par le monde ashkénaze avec mépris. Et on peut même dire que dans certains cas, le cas yéménite ou le cas marocain, le regard ashkénaze est un regard franchement raciste. Sur les juifs marocains, sur les juifs orientaux, ce qu'on appelle les Mizrahim en Israël, en général. Un regard raciste, totalement. Bon, c'est indéniable. Et est-ce que ces communautés aujourd'hui vivent groupées? Non. Il y a 60 ans qu'ils sont arrivés, se sont dispersés dans le territoire israélien. Alors, il y a encore des villes, si vous voulez, où il y a un fort noyau yéménite, un fort noyau marocain, etc. Mais il y a un tel brassage de population, entre autres avec l'arrivée des Russes, que c'est fini, on ne peut plus dire qu'Ashdod est une ville marocaine ou que Rosh Ain, à côté de Petah Tikva, est une ville yéménite, ce qui était vrai il y a 30 ans. C'est fini aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, c'est très mélangé. Bon.
D'autre part, il y a aussi des mélanges par les mariages. Donc, est-ce que ces communautés vivent groupées encore sur le plan ethnique ? Non, mais, et c'est ça qui est important à noter, c'est que malgré le brassage des populations, un certain nombre de Juifs d'Orient, nés en Israël depuis 3 générations déjà, hein, donc des jeunes de 20 ans, quand ils se présentent, ils disent « je m'appelle un tel, etc. Je suis d'origine marocaine. Je suis d'origine yéménite. » Mais il y a longtemps qu'ils ont... Ils savent pas un mot de français, par exemple, les Juifs d'origine marocaine. Plus du tout le français, ils ne parlent que l'hébreu. C'est tout. Et ils revendiquent encore une dimension culturelle, entre autres parce qu'il y a eu un tel écrasement par la culture ashkénaze de ces communautés qu'aujourd'hui, il y a une revendication carrément existentielle de leur identité d'immigrants, d'origine marocaine, d'origine yéménite. Et encore une fois, ces communautés se sont dispersées, elles se sont dissoutes progressivement dans l'espace national israélien, mais en même temps, dire que le clivage entre ces orientaux et les ashkénazes a disparu, c'est faux. Absolument faux. J'ai longtemps pensé que ça allait s'édulcorer. Pas du tout. Le clivage est là et il prend parfois des allures pénibles. C'est-à-dire qui sont à la limite de la xénophobie, si vous voulez. Donc, c'est pas sur ce plan-là, c'est difficile. Est-ce qu'ils jouent un rôle dans l'histoire politique d'Israël ? On peut simplement constater qu'en grande partie encore, les élites politiques d'Israël sont des élites d'origine ashkénaze. Pas toutes, hein. Mais rares ont été les premiers ministres d'origine séfarade. Quand je dis rares, je pense même aucun, d'ailleurs. Les chefs d'état-major de l'armée, je crois qu'il y en a eu un ou deux d'origine séfarade. Un était un Irakien, un était un Iranien. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'officiers d'origine marocaine ou yéménite dans l'armée. Mais enfin, arriver au grade le plus élevé, c'est quand même rare. Est-ce qu'ils jouent un rôle dans le conflit ? Quelle est leur vision du conflit ? Aujourd'hui, après 3 générations, on ne peut plus parler de communauté marocaine ou yéménite ou autre, si vous voulez. Mais l'idée selon laquelle les juifs d'origine marocaine ou tunisienne ou yéménite ou irakienne auraient un jugement beaucoup plus tempéré, beaucoup plus modéré sur le conflit avec les Arabes, c'est une idée qui n'est pas toujours vérifiée. Vous avez à la fois des gens qui ont une très grande proximité, qui avaient, maintenant il faut en parler au passé, une grande proximité avec le monde arabe sur le plan culturel, mais vous en aviez aussi qui, très traumatisés par le départ du monde arabe, vouaient au monde arabe en général une rancune, une hargne et parfois même une haine tenace. Donc l'idée selon laquelle, parce qu'ils étaient plus proches culturellement, ils étaient plus prêts de faire la paix avec le monde arabe, ça relève de l'illusion, hein, souvent. La barriera linguistica non può essere facilmente superata, eh? Cioè se ci sono domande anche in italiano non c'è alcun problema, naturalmente. J'aurais des questions sur les sources, en fait. Et donc vous avez dit que les témoignages, vous l'avez laissé à côté. Pour des raisons tout à fait compréhensibles, je comprends, mais ma question serait sur justement sur cette source-là, sur les témoignages. Et est-ce que vous avez noté, est-ce que vous avez vu s'il y a des écarts entre les témoignages, donc sur la tradition orale, et les sources de l'époque ? Je pense au rapport. Est-ce que la tradition orale a conservé, je ne sais pas, quelque chose qui est les sources de l'époque, qui sont des sources qui ont aussi une intention précise. Les rapports, c'est le regard de l'instituteur, de l'envoyé de l'Alliance universelle. C'est pas le regard des acteurs, en fait. Donc, la question porte surtout sur ça, sur les écarts entre les sources. Est-ce que vous avez noté s'il y a un écart et qu'est-ce que vous avez fait avec... Mais merci d'abord pour votre question, parce qu'elle est importante sur les sources. Quand je lisais les sources de l'Alliance, j'ai essayé de ne jamais perdre de vue que
ce n'était pas des sources neutres. Bien sûr, c'est des sources d'instituteurs, directeurs d'école, qui ne cachaient pas leur mépris d'ailleurs pour toutes ces populations, y compris les juifs, hein, les arabes et les juifs, considérés comme des primitifs, qu'il fallait amener à la civilisation. Mais c'était au regard banal de l'époque. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, au début, c'était des Européens qui avaient un regard colonial. Donc je n'allais pas m'indigner de ça, mais il fallait être conscient de ça. Bon. Donc il n'y a pas de regard neutre. La précaution méthodologique que je me suis imposée, c'est de confronter toutes les sources. Et en même temps, de lire les chroniques des témoins de l'époque, tout en sachant que les chroniques, par définition, sont écrites par des gens instruits. Les correspondances aussi. Donc les anonymes, ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, ceux-là, on ne les entendra jamais. Je rappelle qu'une bonne partie de mon livre porte sur l'avant-guerre de 14, donc il n'y a aucune trace de ces gens-là, rien. On ne sait rien d'eux. Ils n'ont pas laissé de témoignages, ils n'ont pas laissé de journaux, ils n'ont pas laissé de lettres. On ne sait rien. Bon, on ne sait que ce que les autres disent d'eux. Donc voilà, je me suis efforcé, entre les sources écrites d'un côté, de différentes origines, juives et non-juives. Sur ça, c'était très important pour moi. Si j'avais que des sources juives, le livre était biaisé. Le livre était piégé. En confrontant les sources juives et non-juives, et y compris dans les sources diplomatiques non-juives, des sources franchement antisémites. Bon. En confrontant également les sources écrites de l'Alliance ou d'autres, et ce que disaient un certain nombre de témoins de la bourgeoisie juive de l'époque, ou des correspondances, par exemple, je suis tombé sur des lettres comme ça par hasard, hein, aux archives sionistes en Israël, à Jérusalem, je suis tombé, parce que c'est classé comme ça, on ne sait pas pourquoi. Vous ouvrez un dossier sur l'Irak, par exemple, et vous tombez sur des correspondances du mouvement sioniste irakien en 1912, et puis brutalement sur des lettres envoyées, on ne sait pas par qui, enfin c'est signé, il y avait une dame qui signait, je ne sais pas pourquoi cette lettre était là, une dame qui racontait le pogrom de Bagdad en 1941. En juin 1941, il y a eu un énorme pogrom à Bagdad, et un mois et demi après, cette femme qui était terrorisée écrivait à une cousine en Israël, qui était à Jérusalem. C'est sans doute pour ça que la lettre se retrouvait là. Bon. Donc, on trouve des sources, comme ça écrit, des correspondances, des journaux, des extraits de journaux intimes, etc. Et quand on confronte, alors je réponds à votre question, est-ce que oui ou non, il y avait une contradiction ? Non. Je n'ai pas vu de contradiction, si vous voulez, entre ce qu'écrivaient les gens de l'Alliance, mis à part le mépris qu'ils avaient, hein, pour tous, pour les primitifs, qu'ils considèrent comme particulièrement stupides, crasseux, ça revient tout le temps, très sales, ce qui était vrai d'ailleurs, ils sont très sales. Et on va leur apprendre l'hygiène, il n'y a pas d'eau, ils sont des gens sous-alimentés, ils sont des gens malades en permanence, la tuberculose est là, le trachome, les maladies des yeux, sont des populations très pauvres. Bref, entre leurs témoignages et les autres sources, juives et non-juives, et y compris des chroniques rares qui existent, et y compris les récits de voyageurs, ça correspondait tout à fait. En revanche, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la contradiction entre les récits d'aujourd'hui et la mémoire de ceux qui ont vécu cela. Si j'ai 2 minutes, je peux donner un exemple. Un jeune français d'origine marocaine, il est professeur d'histoire, il a moins de 40 ans, il s'appelle Kamal Ashkar. Il est né au Maroc, dans le pays berbère, dans la ville de Tinrir. Il a fait quand il rend visite à son grand-père à Tinrir, au pays berbère, dans la montagne, il a appris qu'il y avait des juifs à Tinrir. Et grosse communauté, d'ailleurs, qui est partie en 1949 ou 1950 ou 52, je crois, à la naissance d'Israël. Enfin, très vite, elle est partie. Une communauté très ancienne. Donc, il a interrogé son grand-père. Est-ce qu'il y avait des juifs ici ? Oui, oui, il y avait des juifs. Ils étaient où ? Ils étaient à la maison, la synagogue. Et la synagogue, qu'est-ce que c'est devenu ? C'est devenu une maison achetée par quelqu'un, et ça, c'est devenu ceci. Alors, il s'est mis à interroger, parce qu'il parle le berbère, il s'est mis à interroger d'autres gens de Tinrir. Tu lui dis, oui, il y avait des juifs ici, etc. Et il a voulu, très ému et très, on peut dire même philo-sémite, on peut dire, et philo-israélien, il a voulu retrouver les juifs de Tinrir. Ils ne sont pas en France, ils sont en Israël. Il est allé en Israël. Il a fait une démarche extraordinaire. Ça a duré des années, son travail. Ça a duré 3 ans, je crois. Il est allé en Israël. Il a retrouvé les juifs de Tinrir. On lui a dit, certains habitent ici, certains habitent là, etc. Ils ont ouvert la porte. Avec eux, il parlait en français, en général.
pas tous, mais enfin, beaucoup parlaient quand même le français. Bon, en tous les cas, les vieux parlaient français, les très jeunes, c'est fini. Bon. Et il en a fait un film de 52 minutes que j'ai vu, parce que à chaque fois que je présentais mon livre, les gens me disaient « Vous avez vu le film de Kamal Ashkar ?» Et non. J'ai dit « Bon, enfin, je l'ai vu. » C'est très intéressant. Et dans le film, en gros, on voit des musulmans et berbères hein, de Tinrir qui fuient les questions. Ils disent « Oui, oui, il y avait des juifs. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ?»« Ben, rien. Vous les fréquentiez ?»« Non, pas vraiment. » Et qu'est-ce que sont devenues les maisons et les commerces, etc. Ben, ça a racheté. Lui, il a racheté ceci, l'autre, il a racheté cela, etc. Et... Mais comment étaient les relations avec eux ? Tout est bien. Mais ils ne sont pas bavards, ils ne disent rien. En revanche, quand il va voir les juifs de Tinrir en Israël, alors ceux-là sont bavards. Surtout les femmes de Tinrir. Elles parlent énormément. Alors, elles ont 70 ans, hein, 70, 80 ans. Et beaucoup disent, ah, on vivait bien, Tinrir. On vivait bien avec les musulmans. C'était bien, Tinrir. C'était tellement mieux qu'ici. Il y en a même une qui a un véritable cri de haine envers Israël. Qu'est-ce que les musulmans étaient bien, elle dit. Et elle va carrément pour l'embrasser, ce jeune cinéaste, là, le jeune professeur. Là. Et il y en a quand même une qui, parmi ces femmes-là, qui l'interroge, qui dit... alors elle dit, mais vous rencontriez, vous fréquentiez ? Non. Mais vous alliez les uns chez les autres ? Non, pas beaucoup. Mais les fêtes, vous aviez des fêtes communes ? Non. Mais alors vous vous rencontriez où ? Eh bien quand on allait au lavoir pour laver le linge, ou pour prendre de l'eau. Ah. Et il y en a une qui ajoute, après 1948, les Arabes, elle dit les Arabes, en fait ils ne sont pas Arabes, ils sont berbères. Les Arabes, ils ne nous ont plus parlé. Ah, très bien. Là-dessus, je suis à Marseille au mois de décembre, je présente le livre, et un monsieur vient me voir et me dit que son père, qu'il est de Tinrir, lui, il a 58 ans, et que son père est de Tinrir. Très bien. Il a vu le film. Et il m'explique ceci. Son père a 87 ans. Toute sa tête, très bien, il est un peu sourd, c'est tout, bon. Il lui montre le film. « Papa, c'est un grand moment d'émotion, tu vas voir Tinrir, ton village, ta ville. » Et il lui met un casque pour bien entendre, et le père écoute pendant un grand silence les 52 minutes du film. À la fin, il lui dit « Alors, très ému, qu'est-ce que tu en penses ?» Et le père répond « Tout est faux !» Voilà. Moi, j'ai vu le film, après avoir vu le film, j'ai dit « Ce film est extraordinaire, pas sur l'histoire, sur la mémoire. » Extraordinaire comment se construit une mémoire. Parce que ce film est lui-même le résultat d'un montage. Vous imaginez bien qu'il a fait 52 minutes, mais il a dû filmer des dizaines d'heures. Donc il a pris, il a sélectionné. Riesco a fare la domanda in italiano. Lei ha parlato della condizione degli ebrei nel mondo arabo paragonabile alla condizione di inferiorità della donna. Ecco, allora la domanda è, ma in questo momento, da parte delle donne arabe, naturalmente della parte più elevata del mondo femminile arabo, si manifesta una solidarietà verso gli ebrei arabi? E un'altra questione sarebbe quella dei numeri a cui lei ha fatto cenno che sono molto importanti. In Italia nel 1938 sono state promulgate le leggi anti-ebraiche contro una minoranza di circa 50.000 ebrei. È evidente che queste leggi sono state promulgate in parte per asservimento ad Hitler, a quanto era stato fatto in Germania, in parte per distogliere l'opinione pubblica italiana dai problemi creati dalla dittatura. È avvenuto questo anche in alcuni paesi del mondo arabo?
Avrei poi una terza questione, se non sono troppe. Sì, prego. E la terza domanda sarebbe: qual è l'atteggiamento della comunità, delle comunità ebraiche francesi circa gli insediamenti delle colonie in Palestina? Il y a trois questions de... très différentes. Sur le lien entre l'oppression du juif dans le monde arabe et l'oppression de la femme arabe, en général, c'est pas moi qui ai trouvé ça, qui ai inventé ça, si vous voulez, c'est dit par un certain nombre d'intellectuels arabes aujourd'hui, hein, et en particulier, je pense à un sociologue marocain qui a écrit directement son livre en français, qui s'appelle Mohamed Ennahdji. Peut-être qu'il était traduit en italien, et qui fait une analyse très fine du vocabulaire politique dans, le monde, dans la langue arabe, et qui démontre que c'est un vocabulaire basé sur la soumission, et il a un chapitre extraordinaire sur la soumission de la femme dans la relation sexuelle. Que tout le rapport sexuel est basé sur la domination, l'écrasement. Bon. Et votre question, elle est très intéressante parce qu'elle... C'est une question, je dirais, qu'on doit se poser. C'est est-ce qu'en tant qu'opprimée, la femme arabe s'est-elle sentie solidaire des Juifs ? La réponse est absolument non. Pourquoi ? Parce que pour se sentir solidaire des Juifs, il aurait fallu qu'elle soit émancipée. Il aurait fallu qu'elle soit déjà à un tel niveau de conscience et de lucidité pour prendre conscience de la domination dont elle était l'objet, qu'elle voit dans le Juif son frère de malheur. C'est impossible. C'est impossible, absolument impossible. Donc non. Et d'ailleurs, je peux élargir mon propos en disant, où avez-vous vu que les dominés étaient solidaires entre eux ? Jamais. Les dominés se font la guerre. Les pauvres se font la guerre. Ils ne sont pas solidaires. Ça, c'est une illusion des gens émancipés. Ceux qui ne sont pas dans l'émancipation, non. Le deuxième point, c'est les lois raciales de 1938 en Italie, dérivatif au problème de l'Italie en 1938, imitation de l'Allemagne. Bon, d'accord, mais est-ce que dans le monde arabe, il s'est passé la même chose ? Oui et non. Non, parce que vous avez un anti-judaïsme, antisémitisme, un anti-judaïsme plutôt traditionnel dans le monde arabe, basé sur le mépris du juif très très ancien, qui va redoubler de violence avec le conflit en Palestine. Ça, c'est vrai. Et donc ça, c'est pas un dérivatif. Bon, il y a des raisons culturelles, et puis des raisons politiques à ce mépris qui va devenir de la haine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, depuis quand même 64 ans qu'existe Israël, est-ce qu'aujourd'hui, cette focalisation sur les Juifs dans le monde arabe, qui est une obsession, ce qu'on ne sait pas, nous, en Europe, parce qu'on ne suit pas l'actualité audiovisuelle du monde arabe. On ne sait pas ce qui se dit dans les télévisions, à la radio. Mais en Israël, on le sait. Et il y a un institut à Jérusalem qui s'appelle le Memri, qui écoute pratiquement une centaine de radios et de télévisions du monde arabe tous les jours, jour et nuit. Bon. Et qui enregistre un certain nombre d'émissions. Et c'est une obsession, les Juifs sont une obsession. C'est une obsession. Exactement comme dans l'Allemagne hitlérienne de 1938. Une obsession, tous les jours on en parle. Et une obsession dans des termes très dangereux, dans des termes de type nazi, c'est la peste du genre humain, c'est le cancer de l'humanité, il faut les détruire jusqu'au bout, la Terre ne pourra pas vivre tant qu'ils seront encore là. Pas seulement les Israéliens, les Juifs. Bon. Alors est-ce que c'est un dérivatif ?
Vous savez ce que disait l'ancien roi du Maroc, Hassan II ? C'était un homme très intelligent, c'était un tyran. Hein. C'est évident, tout le monde le sait, je ne veux pas défendre Hassan II, mais c'était un homme intelligent. Et il disait de la haine d'Israël, il disait « Israël, c'est le plus grand aphrodisiaque du monde arabe ». Il disait quelque chose de très juste. Un grand dérivatif. Là-dessus, je vous rejoins tout à fait. L'opinion juive française face au territoire palestinien occupé par Israël, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'une communauté juive de France. Il y a des groupes juifs, et c'est très varié. Il y a des tas d'opinions qui se font entendre. On ne peut pas dire qu'il y a une voix seulement là-dessus. Il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de querelles entre les juifs eux-mêmes là-dessus. Grazie. Non avendo un francese raffinato, chiedo la mia domanda in italiano. Volevo chiedere il suo parere riguardo la differenza nell'approccio dell'Islam sciita e sunnita nei confronti della popolazione ebrea residente nel paese, in specifico per esempio in Iran, che ha la maggioranza sciita. So che non era il centro dei suoi studi, però... Se è possibile, volevo chiedere il suo parere. Oui. Il y a une grande différence sur deux points entre islam chiite et islam sunnite vis-à-vis des non-musulmans, pas seulement des juifs, des non-musulmans. C'est d'une part, dans l'islam chiite, une obsession de la pureté du musulman par rapport aux non-musulmans. Le non-musulman, par définition, est un être impur. Tout ce qu'il touche, un verre par exemple, est impur. Les non-musulmans en Iran, c'est les chrétiens, il y a une minorité chrétienne, les zoroastriens et les juifs en particulier. Bon. Et il y a aussi des noyaux sunnites, qui sont considérés souvent aussi comme impurs. Et la deuxième divergence, c'est qu'il y a dans l'islam chiite une dimension messianique, donc millénariste, donc apocalyptique, qui porte en elle un germe de violence extraordinaire. Il y a entre autres une fête dans l'islam chiite qui est la fête de l'Ashura, qui est très importante, qui est marquée par une violence extrême, c'est-à-dire qu'on commémore la mort de l'imam Ali, et c'est une commémoration à base de coups, de violence qu'on supporte, etc. Et tous les témoignages que j'ai lus sur l'Irak chiite, de l'époque, témoignages de directeurs d'école de l'Alliance, mais aussi de journalistes anglais, par exemple, disent exactement la même chose. C'est très impressionnant, c'est très sanglant, c'est très impressionnant. Vous n'avez pas ça dans l'islam sunnite. Résultat concernant les juifs. Concernant les juifs, il y a un mépris théologique dans l'islam sunnite vis-à-vis des juifs, pendant longtemps, un mépris social, un mépris théologique. C'est un juif, c'est un être de deuxième classe, un citoyen de deuxième zone, si vous voulez. Mais on ne considère pas comme impur au sens où quand il a touché un verre, il faut le détruire. Dans l'islam chiite, tout ce qu'un juif a touché est impur. Par exemple, une maison habitée par un juif, un musulman ne peut pas l'habiter. Un verre dans lequel a bu un juif, un musulman ne peut pas boire après. Et un chrétien aussi, c'est la même chose. Il y a des témoignages extraordinaires là-dessus. Et un exemple qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en Iran, au XIXe siècle, à une époque où le pouvoir plutôt civil du Shah ne s'est pas imposé, il y a un Shah, déjà un souverain en Iran, mais le pouvoir du Shah, c'est Téhéran essentiellement, et la région de Téhéran. Dès qu'on s'éloigne, qu'on va vers Ispahan, vers Shiraz, etc., vers les provinces, c'est le pouvoir des mollahs, c'est le pouvoir religieux. Et quand les religions ont le pouvoir, et ils ont le pouvoir tout au long du XIXe siècle en Iran jusqu'à la révolution de 1925, c'est la tyrannie religieuse. Et la tyrannie religieuse fait que, en Iran et uniquement en Iran, les juifs ont interdiction de sortir dans la rue quand il pleut. Pourquoi ? Parce que quand il pleut dans ces pays où il y a très peu, les chaussures ne sont pas fermées, ce sont des babouches, des sandales, etc., l'eau de pluie ruisselle sur leurs pieds, cette eau impure va toucher les musulmans. Et donc, par conséquent, les juifs doivent rester chez eux les jours de pluie. Un exemple parmi d'autres, c'est assez aberrant, c'est assez extraordinaire. Or, c'est quelque chose qu'on voit dans plusieurs villes d'Iran au XIXe siècle. Et ce qui est frappant, c'est qu'à travers la condition juive en Iran,
on comprend mieux ce qui s'est passé avec la révolution islamique de Khomeini en 79. C'est-à-dire qu'on constate en Iran, à propos des juifs, mais aussi à propos des chrétiens ou des zoroastriens, que le pouvoir civil du Shah et le pouvoir des mollahs ont été en guerre constante en Iran, jusqu'à ce que le pouvoir civil l'emporte en 1925. Et ce qui s'est passé en 1979, c'est la revanche des mollahs du XIXe siècle. E non ci sono altre domande, credo che possiamo ringraziare il professor Bensoussan e credo che possiamo dire che all'inizio di queste varie iniziative della giornata della memoria sia stato quantomeno interessante. Grazie molte. Grazie mille.